Monsieur le bourgmestre, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si l'on admet que l'histoire est une suite d'événements racontés par des gens qui ne les ont pas vus, le mariage de guerre n'est pas de l'histoire. Henri Tournelle n'avait nullement l'intention de raconter des événements. Et d'autre part, ce qu'il a mis en scène, il l'avait vu. Et ceux pour qui il écrivait l'avaient vu également. Pendant 4 ans, ils n'avaient même vu que cela. Ils avaient eu peur, ils avaient eu faim, ils avaient été humiliés. Ils sortaient d'un long tunnel obscur. Or, voilà qu'on leur rappelait leurs souffrances et leurs espoirs. Les Borains auraient pu se détourner d'une pièce qui faisait revivre pour eux un passé récent et abominable. Mais ce fut le contraire. Le mariage de guerre connut d'emblée un succès vraiment extraordinaire. Je ne suis pas certain que ceux qui sont nés après 1914 et, à plus forte raison, ceux qui n'ont pas connu la guerre de 1940 comprendront ce succès. C'est que depuis, ils ont été comblés et même gavés par le cinéma, la radio et la télévision. Mais en 1919, la radio et la télévision n'existaient pas et le cinéma était encore vraiment peu de choses. Du monde extérieur, la plupart des Borains d'alors ne connaissaient à peu près rien, sauf ce que leur avait enseigné la tourmente de feu et de misère qui venait de s'éloigner. L'instruction obligatoire, votée en 1914, venait tout juste d'entrer en vigueur. Bien des gens d'âge mûr savaient à peine lire. Et surtout, la langue usuelle du peuple, dans tous les moments de la vie, était le borin. Tout le monde, ou presque, pensait en patois. Le borinage, pour peu de temps encore, vivait replié sur lui-même et continuait le XIXe siècle. C'est alors que parut Henri Tournelle. Avec le mariage de guerre, il offrit aux Borains, sur un mode plaisant, dans un dialecte parfaitement naturel et maîtrisé, en une suite de chansons sur des airs connus, un portrait d'eux-mêmes, une suite de tableaux les représentant tels qu'ils avaient été, tels qu'ils allaient bientôt cesser d'être, campant avec brio des types, l'ouvrier, la jeune fille, l'accapareur, nous ne sommes pas des voleurs, vraiment c'est trop bête, rappelant les espoirs, quand guerre sera faite, d'arène monte un argent, d'arène belle bicyclette pour squatter tous les diens, la ménagère qui va au ravitaillement, bonjour tous les diens, tu es pressé que jamais pour aller au ravitaillement, permettant enfin de rire, à gorge déployée, de ce qui avait fait trembler. Oui, le mariage de guerre venait à son heure. C'est alors que je l'ai vu, il y a plus de 50 ans. Ses couplets étaient sur toutes les lèvres et ils chantent encore dans ma mémoire. La pièce fit et refit le tour du borinage et s'envola vers Bruxelles. Puis, ses échos s'affaiblirent. 20 1944, qui lui valut un regain de succès. Et dans la coulisse, en cette soirée de 1977, ces personnages s'agitent à nouveau et se préparent à vous faire rire et peut-être à pleurer. Ce qui les a ressuscités, c'est assurément l'ardeur d'une troupe enthousiaste, la foi d'un metteur en scène dynamique, la collaboration intelligente de la radio-télévision belge, mais plus que tout, je crois, c'est l'amour que nous, les Borains, nous portons à cette vieille terre boraine, si originale, si colorée, si attachante, si profondément humaine. Et maintenant, place au mariage de guerre. Thank you.
18 mai 1918, 1375e jour de guerre. 1375e jour de guerre? C'est diable en vue. Mais le pauvre soldat, quand il va revenir, il sera mis plus à Arconois. Ça va être de grimper avant de partir, maître. Vous arrivez, Charles. Monsieur qui est dans un des soldats, il se meurt de mauvaise âme. Communiqué allemand. Un fille. Alors, l'idée livre que du temps passé, il a eu une guerre de 5 ans. 5 ans? Oui, 5 ans. Jamais possible. Avec la femme de soldat, elle avait le temps de chucher une foie. Puisqu'on m'a soutenu là, j'ai repris le gazette, vous le lirez vous-même. Ah, François, vous savez bien ça? Une seigneurie. Oh, elle est frette comme une. Oh. Fro de l'Est, entre Patapoil et Strorski, nous avons pris les localités suivantes. Rakitchik, Rolmop et Kiskamielka. François, il dit Tania qu'il a pris le code oui. Frères français, nous avons retiré notre troupe de 10 km sans y être obligés par l'ennemi qui n'a pu nous empêcher ce mouvement stratégique et qui a subi de lourdes pertes en pénétrant dans nos positions abandonnées à son insu. Ha! Quelle bête de culture! C'est qu'au bon couéco, un n'a qu'à traîner plus la Belgique. Un signe qui fait ce gazette-ci. Il n'a qu'au plus poche, on dit tout seul qu'il est régiment prussien. Mais, pour le prix d'une gazette, c'est mieux boire une grande goutte. Fred a raison, tenez. Donnez 2 verres de France, et y'a voir de vous, Belgique. Ouais, ben on ne peut plus un verre, malheureusement. Bon, on t'apporte mieux, et puis ça n'est bon pour ça, mais ça n'est pas bon. Mais si on a un petit verre de temps à temps, elle remonte en fosse. Autant de mourir vers le cul. Eh ben, mais, hein, sur ce regret-là, c'est une jambe de beau, fraîche café, avant. Allez, est-ce qu'il est temps qu'on brasse au café qu'on part, tu vois? On a ça peut trouver du fort. Ben, tu peux bien rire avec un café. Si on pouvait seulement fumer une bonne bouchée de vrai tabac, à la place de brûler du plantain. Ah, oui. Et boire une bonne pipe de saison? En place de l'avoir de tonnes qu'on nous fait y avaler, hein? T'as beau matin et t'y verquine, c'est Dieu que tu veignes, ça vaut ce poids d'eau. Pour oublier ce vin, on a ta laine, dans la chevaine, au sein plus fort, pour toi la vière, pour la poussière. Et votre hiver n'a rien de meilleur. Va se mettre à route quand ouvre une goutte. On a pour le tout, on s'est nerveux. Fumer torquette, tout en coyette, pour mister un fiette, c'est le paradis. Près pipe de terre, sur le tagère, près de la pelletère. Un fumier d'âge, comme un nuage, elle se dégage, il fait tout bleu. Et vieux tranquille, sans masse grandit, sac de bouchille, un sureux. Pour le ménager, vive un quartier, ce qu'on préfère, cette fraîche passée. T'es pour ma fling, quand tu t'étrines, auprès de moulin, bouffer le café. Quand le coq portante, elle fait prudente, version boulante, sur le chéribon. Elle café pince, buvons un tasse, tant qu'il fricasse. Thank you.
ça pèse à ce qu'on dit, là. Elle Genève. Ah ben, c'est le champagne de Louvieux. Ouais, et elle pipe. Voilà. C'est le biberon de grand-père. Et un coffreux. C'est la vente de blanc ou neuf. On a bien hâte de la matin. Ça nous rendra mis la douceur que nous regrettons. Faut mieux garder une bonne morale et prête à faire du bon costume. Et sans malheur, n'oublions rien que le cabaret boré. C'est rendez-vous de Guéluron avant 14 ans. Oui, oui, oui. Et sans malheur, la France. Ouais. Après le guet, après nous quatre au coup, elle vient le cachot du cabaret boré. Ah, ouais. Que le grand pépé te soupe à la montre par-ci. Le client de vos esprits, et yes, le yeux volés ainsi. Au cabaret morigne, on a ce qu'on pousse yon. Au bout baillère ou mène, un pépé comme des petits cuffons. Un envoi repète aussi, vous s'arrête tout dit bien servi. La 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 la. On fait de manière, tout le monde veut parler français. D'un on est ni si fier, mais tout quand je vous le savais bien. Au cabaret boré, on parle pour quel patois. On dit bien, on dit t'es pas flash de toi. Tiens, qu'avenue qu'on l'oucille, il verra tout garantir. La 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 la. Un pêchique que va n'importe cabaret, sans pitié pour vous le stick, tout en mettant du pavé. Au cabaret boré, bien lentement bourné, de zag et son pressoué, et on est valsermané. Un enfer, vous guise d'aussi, vous pensera tout et bien tranquille. La 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 la. Je manque un plein de boire en l'air. Si la robe au tas du loge, un cache un job à louer. Au cabaret boré, un patron à bon coin. On me lit à écouer et on compaille à ce parterre. Il a racolé ma choisie, j'en veux pas m'envenir. La 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 la. Hey, ami, un demande dans les cachets à souper. Eh, tiens, mais vous êtes à la vache, 6 œufs, viens faire de souvenir. 6 œufs? Oui. Mais c'est pas bon. Il t'assurait 7h30 en estomac. D'abord, tu es arrivé comme mes frères. Tu n'en as des notes côtes. Non. Tel que tu me voici, Jasclef, à 30. Un beau tout bleu. Ah, et un médaille plus fin qu'un strineux. Pourtant, là, un vieux d'avaler et poilot pour être bête. Et y'a un chou n'en veut, sans m'a dit, hein, comme un tiède. Ah. Mais, j'ai relâché tout à l'heure un grand assiette de riz. Et un plafait de carottes, là, aussi haut qu'il te riz. Ben, votre bien tout cela, c'est tout près qu'à fouillage, ça. T'as bien t'a donné à un bernet de visage, un demi-heure après, t'as qu'à plus fin que de vent. Moi, ce qu'il a le bien doux qu'on envoie le vent, quand t'as chaud pour me train, qu'on mette pas de sous casquette. Et ce qu'il a le beau temps qu'on envole des mains pour dejeuner, un bel coutelette. Mia, tu que donnes le meilleur, quand elle venait aux nuits avant une faim de crocheur, c'est une bonne criante de gvaux.
fritouillet d'Harry Frick, là, avec des escadailles et de pâte au fric, là. Mille des minces pour dîner. Deux assiettes de bouillon, un bon cuisse de lapin, avec des prunes et des oignons. C'est me régal, c'est me grand goût. Sacre guerre du diable. Quand ce que nous virons côte sous là, sur nous tord. Des omelettes. Des côtelettes. Des saucisses. Des œufs et des rostons. Des bonnes couilles de Suisse. Avec matelubis. Ayez du sucre à discrétion. Quand ce que nous mangerons comme des tartes du pagnon. Les là, parlons d'autre chose. Tu fais garziner, tu fais à parler des œufs, du gabon et de la peine. Oui. À tel point que si une femme a du bure de ce chignon, là, elle va de l'avoir toute vivante et rentrer dans la maison. Mais, je me rassure, va bien. Autrement, ça s'en gêne, hein? Tu es doux. Mange une ration de 4 semaines. Quelle misère. Quelle passion. Quelle vie, ouais. On s'en vieillit. On dit grignard. Mauvais. On souffre. Au ramerie. Oui. Il a fallu recouper une bête de 20 cm dans la rang de bêche pour qu'elle fasse quoi en mettre. Fait comme moi. Amenez pas quelqu'un aussi les autos. Un pas d'ouvrage qu'elle te fait, là. Elle devient tout cul de co. Avant me corouille, elle te fait 2-3 courts tours d'un pas, se rallie. Charles. Êtes-vous que tu me vois, ça va me dire à mon. De ce qu'il faut rattraper avant, quand il y a le métro. On doit faire 2 avec. Aïe, caraco. Ouais. De ce qu'il faut comme un bois. De ce qu'il faut comme un temps. Un vent sous là. Un capo le bouton d'un marron. Ça marie de ton âme. On mange juste un appétit. Ah ben. Au but, votre compte à tout. On perd du plaisir. Ah, tu souviens de ce temps-là. Qu'est d'en haut, qu'est de prendre qu'on attrape un camp. À n'importe quel moment, n'importe quelle occasion. Hein. Tout le moment est bon. Oui, un Ducasse, et Raclot, et Cossère, et Crochange. Et Tirard, oui. Un Pâte-Coute, oui. Ou bien un grand Tirard. Oui. Un ne se passe jamais sans prendre de permission. Et bien souvent, nous avons une caisse à 2 de consolation, hein, après les intermèdes. À 2 heures au matin, quand on, comme déclarons, on rebat au coin de main. C'est le paradis sur terre. Oui, mais le temps sont candidats. Les aguets, ils sont devenus plus rares que de brutes. Ben, qu'est-ce que tu veux? On n'a plus rien à boire pour mettre ce estomac. Plus seulement un bon thé. Non, ni seulement un grand bac. En faisant au cabaret, on vous prend 2 gros sous. Ou un petit gnaud canon. Et la bière n'a plus de goût. C'est Dieu. C'est de l'pichat. Oui, du mauvais jus de tablette. Mais, hein, bien sûr et certain, hein, si là, quelle bière sera faite, hein, elle te fait une tombe de bière spéciale tout le mois. Mais d'arrêt de venir en coffre, il n'a rien tel qu'on en soit. En maison après la guerre, t'as une balle de farine. Aïe, mais sur le garnier, beau gambon d'Ardan. Elle va aider pour chaud. Depuis, de tes dos. Ah, on a ce que ça goûte. Mais t'es mieux de coulon. Au maison de grillade plus grande que ma demeure. Quand le boulanger passera avec ce carré au pays. On lui dit là de cliquer le mouchon sur l'air de beau. Ayez le boucheux, il sera pas là tant de se couper de vieux. On mangera tant de tarte à cerise et à prom, hein. Qu'on sera tout dit pas là tant de se quatre marron. On dînera de conduite. On dînera de condamner. On soupera de commenter, tant pis s'ils font péter. Quand on se passera à criant moule parquet, on s'attaquera d'assez comme il tente de ce qu'il fait. Et le samedi, quand le samedi ira au charcutier, là, oui. Un peu de bouteille et de saucisse, elle l'appellera l'Espagne. Le bon, là, il a assis un panier de charcuterie. Hein? Tu vas me faire péter une couette et le mec, tu me fais languir. Ah, c'est bien qu'il y a, frère. Oui. T'attends du ramenage à tous mes bouillons. Ah, t'as raison. Un mec va vivre une femme en mes cuisses et ma viau. Allez. Ça sent plus bien.
Ben, la Rosine qui vient se mettre au rein d'eux autres. C'est l'heure que l'amoureux va arriver, hein, il m'a dit qu'il serait aussi à 6 heures. Mais ça me tente qu'il n'y a pas parole, hein. Bah, il va arriver. Mais ce qui me chante trop, là, c'est que le diable n'est pas venu de la faute, non? Il a oublié leur ciné. Mais non, fait, elle dit dans une tartine de meunière pour ma gerbenade. À quelle nouvelle, Rosine, pour ce qu'on l'ouvre? Ben oui, dès de ce fait, il vient du Leblanc, elle fait de bons jobs, vous voyez. On n'a pas en l'air d'en tricoter pour l'été le maquis de Zuzu. Alléluia! Bonjour, ma! Bonjour, bio! Bonjour, ma! Bonjour! Bonjour, ma! Bonjour, bio! Hé, tout est beau, est-ce que c'est aussi qu'on vient de ce qu'on? Ah, on a joué à ta guerre en venant! Monsieur du Coron nous a attaqué à Coltaillou. Et tu t'en allais pas? Non pas, il en sort pour ce. Il a eu 4 ans de combat. Il en s'est obligé de demander un armistice. Bravo, général! Ah, après vie, le plein renfort. Il part à train. Et mais nous allons faire une contre-attaque. Et nous avons eu un petit anton. De quoi? Un petit anton? Oh, il va dire un ultimatum! Pauvre innocent! Il dit dans le vieil sans savoir que c'est le plus grand de fléau, hein! Ça, Prédjan, sera un beau soldat plus tard! Le bout de tête de l'île assis, mais fait une passion à la vache! Un plus grand de sardin, dans le jardin assis! Ben, vous ne donnez vous faire du mauvais sang à la vache pour le plus jeune, non? D'ailleurs, il n'aura plus de guerre après celle-ci! Oh, on peut l'affirmer, hein, Charles? Elle fut mis au monde entier. Ça retourne le sté? Bah, dis-le bien comme Charles. Tout le pays voyait être ruiné pour 7 ans. Bah, il pourra mis plus de soldats. Il faut pour le parade. Hein. Comme dans le temps, nous, Charles. Ah, de le saigner parce qu'elle n'a ni service, mais. Des prix le cocarde au tirage au saut. Ah, n'empêche que des femmes portent à 14, mais. Des feux dans le garde civique. Bien. Ça me rappelle qu'il est dû, tonnerre. Colquésaire à 14, ça rouait sur la Belgique. On n'a pas tout costé, rappelait le garde civique. Dans la ville, c'est plaisir, on en faut des équipements. Et ça n'est ni difficile de former un régiment. Mais dans le petit village, on a vos biais de la brouille. D'après les ordres de marche, il faut le faire patrouille, par nuit et par jour. Elle est montée de faction, tout au long du chemin de fière, elle est sur tout le pont. Oui, on n'a ni fusil, ni capé, ni capote. On tout est solo. Un cieux qui ne trouve rien d'autre, il s'arme des grands fourquiers ou des gros bastons. C'est une vraie curiosité de raviser de longs et plateaux de garde civique avant de pareille atelure, hein. Ni arrêt sur le trottoir, aligné sur le bordure. Mais devant tout le soro, le trop court, le trop long. Et les anciens fusils, qu'au bourreau pour canon. Mais. Et la voûte d'Albany, il mesurait, assurait 2 mètres. Mais. Avec un bout de ficelle, aux autres mises baïonnettes. Maugre ça, on est fiers, ça va. Et il n'a rien fait faux bon voyage sans papier. On est pris pour espion. Et des messes ben dans la nuit, 8 jours avant la bataille, au patrouilleau à Cap del Marin, à de l'Elbaille. Tout au long du chemin de fière, nous dans l'île tout belmain. Il vient plus noir qu'à fosse, plus calme qu'après le grand vin. Tout des coups, ni long de nous, j'attends ça que. Garde-coute, vous avez dit de pas derrière, ni l'autre des doutes. Mais, on marche d'Almarus sur le doigt, à contrebas. Qu'est-ce qui nous mentait l'heure pour vos bienfaits d'où là? Et n'avons ni de maison à la tour, ni de camine, et pour vous être 2-3 heures au matin. C'est seulement un bandit, mais un espion qui cachoit mon fait,
a fait sauter le pont. Nous, c'est un bio d'enjeu de partout, vous devez le comprendre. Et il y a chacun qui se demande qui est même qui dans le prêt. Mes amis sont morts aussi rois que de la tio. Ben, tu fusilles, disent-ils, que te cachis ces cailloux. Ben, il a écaillé fusil, cartouche et baïonnette. Et il y a le diable, il prend le poule d'escorpette. Mais que le deuxième me fait, mais va prévenir le commandant. Et le troisième, elle suit, elle me l'a en l'a un plan. Mais elle n'a pas eu peu, ça va, non. D'avant une vieille carabine, qu'elle qui est d'un lot cartouche, bien bourré de chevrotine. Faut dire qu'on tire rapide, d'un tout de champion. Hein. Attends d'en venir l'ennemi, mais mis en position. J'étais d'eau tout de l'ennemi comme de l'hier paraché. Je me dis d'eau, il fait vie qui cache à rafourrer pour se lapin. Ouais, bah, à 20 000, ça me prend mieux, hein? À 2 heures au matin! Il faudra y être bon pour se laisser attraper à de pareilles ruses. Hein? C'est ce bandit. Et l'espion, elle veut bien être perdu si ne m'abuse. À la fin, comme l'ennemi, ben vieux, il s'approche, elle crie. Qui vit ça? Car ce coup, n'y est mot. L'ennemi avant chaud tout dit. Tout un client advise. Qui vit là? Voilà! Voyez le mot d'ordre! Advise ou me te coupe tiens dans l'ordre de Dieu! J'attends. Elle me cure partout. Je me dis pour lui. Il ne comprend rien. J'ai refait de sommation, à sur une douzaine. Et on a eu de sauvages, et ça fait de la peine de tirer sur une saki qu'on ne voit ni d'un noir. Mais pourtant, à la fin, il faut tout le même bien faire ce devoir. Oui. L'ennemi est tout l'ennemi. Ni plus long qu'à 3 mètres. Et c'est tous dans l'air. Tirez à l'aveuglette et fait feu dans le mocho. Et vivant, monsieur! Et il sera visé qu'on va se quitter dans le toit. Est-ce une certaine qu'on peut faire qui est brûlé du grisou? Et est-ce dans le même rapport? Et il y a un piquette du Dieu. Et peloton tout à Dieu dans le l'arme au blanc. Pour compter tout le monde sur le lieu du combat. Mais arrivé à poste, tiens, tant qu'on se fout arrive. Et il y a un smoke ennemi. Mais bien, il faut vous dire, quel cieux qui est là revenu, avec les yeux trop hauts, et il se tient tout comme c'est plomb, c'est une vieille femme, bon de... Non! Oui, c'est une vieille femme. C'est lui qu'on en voulait aller par nuit ta pâture. C'est lui qui se pourmenot, tout un cachant se pétue. C'est lui que d'avoir pris pour les bandits, pour les espions, qui ne respondent aux diamants, malgré ma sommation. Il n'y a pas de suite. De là, vous n'y manquez. Un plaisir sans vie-clé. Il faut bien le reconnaître, me dire. Ça mérite le quoi, qui? Oui, ça. Et vous pensez que c'est décoreux? Oui, copain. Au contraire, il m'a fallu payer un bon d'eux. Ah, oh, le bon prêt, ancien. Hein, on te prend pour tes paiements du maître le guerre. Pour ti, aïe, le bon de. Mère, elle peut en partir. Mère, depuis le pain, on va souper d'aïe, non plus. Pourquoi demi-temps, mère? Un demi-temps, n'y a plus, hein. Il a tout dit. Bonjour tout le monde. Bonjour, Rosine. Bon, ouais, c'est que c'est là. Mais vous êtes tard, hein? Ne me faisons pas du mauvais, ça, t'en veux. Pardonne-moi de me rappeler pour copier le communiqué d'une gazette hollandaise. Enfin. Un Rotterdam Courant. Ah. Les Boches, ils ont ramassé une clôture, mon compère, de Sulizer. Pas les Belges. Oui, pas les Belges. Bravo, le petit Belge. Foutez-moi le Prussien en luche. Oh, si d'avoir le dernier à squat,
Un tel esquet de sumginou comme une ramure. Morgan! Schnaps! Ben, qu'est-ce qu'il dit? Pour mi veut dire du France. Frankreich, nix boon, cognac. Oh, man! Mich cognac ici, défendu. Vous qu'est-ce qu'on crie? Mon Dieu! Les bouches! Nix pas, ma femme. Ah, Marie, Marie, hein? Il demande une goutte. Ah, tu sais bien qu'il n'a plus justement pour lieu, ça. C'est à cause de lieu qu'on a plus de marchandises à ce mout. Allons, vous m'avez déjà bien l'air vieille pour être soldat. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah, nicht verstehen. Hein? Gott mit tuns. Inutile parfait, monsieur. Nis gut. C'est le gay. Triste la guerre. Ja, ja, madame. L'officier, toujours parler, toujours mentir. 4 ans de cric et nix passé. Jamais sans pagne et bonne manger. Fauche parler, champagne une poigne, nix goutte pour de deutsche Schweines. Ouais. Maintenant, nix mine socialiste. Krieg gut für Kapitalist. Comme si, comme ça, der Krieg fertig, tout de suite faire de République. Kaiser Wilhelm, tout de suite kaput, avec Offizier, faire choucroute. La guerre finie, moi te retourne, pelle quiche. Venir tir penchour, avec madame promenade. Soldat belgiche, camarade avec soldat allemand. Deutsche soldat, nix méchant. Ok, moi, bardir, au Wiedersehen. Rendez-vous, mademoiselle. Versteht? Soin Marc Botzal. Promenade canal. Et si ma signe kaput? Écale. Au Wiedersehen. Ja. L'Allemagne n'a pas de grand-père ainsi à lui, au frou. Il va mort pour lui. Oui. Elle veut bien quoi? On a mobilisé de casser canton. On l'oume ça de Landsturm. Ah. Hein? L'avez vu taper sur ce boudin en criant Godimus! Gott mit tuns, meine Godimus. C'est marqué sur le ceinturon. Ça veut dire Dieu est avec nous. Voilà. Ah, il pourrait être bien quand j'ai eu un platane, hein? Aïe, mettre. Un diable est avec nous, à esprit minique. En tout cas, il n'en a l'air que ça veut, François. Non. Non? Il fait un visage comme mes potes soient au mort venu. Ouais. Ah, il y aura 3 camarades sous un numérito. Ah, bah d'où là, il s'en servit, c'est le client du parc à poule. Oh. Ah, John, on s'en fait vous voir par là. Allez. La roue de côte arrête, ça veut tout le titi après le quai. Oh, ben, depuis bien, c'est le même que de la caparue. Il n'est qu'à prendre une de prison avant au moins 30 ans, hein, ça veut. Bonjour, monsieur, dame. Garçon, mademoiselle. Qu'est-ce qu'il dit? T'as une seigneur, c'est une mabuse, mais pour moi, il meurt pour d'aller à seul. Ah, chef, c'est tout droit. Papier le stone. Vous cueillez une feuille de rhubarbe par passant parce que le papier est rare. Il faut le garder pour allumer le feu. Mais qui vous parle du feu, mon ami? J'ai demandé une consommation. Maman, ça veut.
tonnerie de bière, puisqu'il n'a rien d'autre. Vous êtes bien de coucher. Belle journée aujourd'hui, hein? Il n'a l'air de me comprendre. Voilà, monsieur. Merci. Mais j'avais demandé un vin blanc. Mais il n'en a plus, monsieur. À cause de Bosch, n'est pas. Vous n'en avez plus? Mais je puis vous en vendre, moi. Oui, et des liqueurs, et du café. Du café? Du café, mais ça, c'est à vous. Mais c'est le bon Dieu, ce nom-ci, hein? Méfiez-vous, François. Ça de une. OK. Et n'a qu'à pas eux. Vous vendez boutique? Mais non pas. Je trafique, tout simplement. Dans mon petit patelin, je crevais de faim, je menais une vie banale. Un jour, un ami, en me rencontrant, me dit, viens donc à la capitale. À quel agrément, on gagne de la France, on se voulait le tempérament. Je lui dis, quel est donc ce métier si bon, où l'on fait son beurre sans trop de labeur. Il me répond d'un air vainqueur, nous ne sommes pas les voleurs, vraiment je promette. Nous sommes accapareurs, ça c'est bien chouette, c'est chouette. C'est nous qui achetons et qui revendons, qui trafiquons, qui spéculons. Et quand on est connaisseur, vraiment c'est un honneur, par sept ans de malheur que d'être accapareur. J'étais décalé, je me suis décidé, je suis allé vivre à Bruxelles. J'y ai fait ma foi, en deux ou trois mois, une fortune assez belle. Il y a bien les clients qui ne sont pas contents, qui disent que je vends leur argent, qui me traitent d'exploiteur ou bien d'affameur. Le hic, voyez-vous, c'est d'avoir les sous. Moi, pour le restant, je m'en fous. Nous ne sommes pas les voleurs, vraiment, c'est trop bête, trop bête. Nous sommes accapareurs, ça c'est bien plus chouette, plus chouette. C'est nous qui achetons et puis qui revendons, qui trafiquons, qui spéculons. Et quand on est connaisseur, vraiment, c'est un honneur, par sept ans de malheur que d'être accapareur. J'ai des relations et à l'occasion, je tripote avec les boches. Par ce moyen-là, je me tire d'embarras et je me remplis des poches. Je leur vends de tout, du riz, des étoffes dans des prix doux. Et c'est inouï, comme ils sont gentils, ils me donnent sans façon pleine satisfaction. Pour tout sans autorisation, nous ne sommes pas les voleurs, vraiment des promesses, promesses. Nous sommes accapareurs, ça c'est bien plus chouette, plus chouette. C'est nous qui achetons. Et voilà, tandis que vous vous morfondez en attendant la victoire finale ou la défaite, nous menons la grande vie à Bruxelles. Allons, il en manque mieux une hermétisante par là, qu'est-ce quoi? Mais si, mon ami, le tout sera de vous affranchir de vains scrupules. Ah ouais? À ce prix-là, merci. Eh bien, comme il vous plaira. Tiens, vous n'y en voulez vous dire d'un pas quand vous en y arriverez au bout. Laissez-moi rire. Mais vous ne savez donc pas que le Reich est invincible. Payez-vous, madame, et adieu. Il m'a refoulu faire un mort sur le tiède de ce voyou-là, hein. Comment? Vous le messez, voyou? Oui. Oh, mais il est calé comme une gérante, force, hein? Oui. Marie, va aimer de me. Ça l'empêche qu'il va y aller, hein? Il prétend que l'Allemagne est ici, mais quand je devais avoir trois mois dessus. Oh, ça, tu le veux mieux croire, hein? D'ailleurs, où vient de m'apprendre que le fromage de Perchard va en place par la Belge? De quel sérieux? Mais d'abord, si c'est ainsi, nous serons en besoin au courrier, hein, Fernand? Oh, mais écoute. De me quoi à trois mois, comme Fernand. Attendez, Marie, qu'à trois mois. Et on pourrait se retrouver en famille comme avant, hein? Quel bonheur, hein? On en tient quoi, hein? Ah, oui.
basquette, il faut le faire. Marier à ta guerre, quand tout est si rare, tout est si clair.
et on tient un petit second. Ben, c'est ce que Dieu a dit, mais là, pourquoi que le diable a souffert? Oh. Mais que voler, François, me le fréquentage n'est même plus possible. Quel plaisir, on s'amuse. On a nos fourmenées au bout. On se ducasse, ailleurs à clôture. Mais quand on parle, qui n'a plus de balle, plus de concert et plus de festival. Et plus de voyage, ça dit maintenant. Fréquenter ce stéphane supplice. Vraiment, le moment ne n'y est propice. On n'a plus d'agrément. On n'a plus faut mieux se mettre en connie, un cordon scoyé. Oui, tu es prêt en connie, il faut mieux se marier. À Volgueral, maison de fille, au fond de matin, se remonte. Elle t'avait tout dit bien gagné. Mais maintenant encore, on est pas vie. N'a plus de rostou, plus de macaron. Il faudra bien cesser guignon. Vraiment, le moment n'y est propice. On n'a plus d'agrément. On n'a plus d'amusement. Faut mieux se mettre en connie, un cordon scoyé. Mais, tu es que t'en connie, il faut mieux se marier. Avec un nouvelle veste, il fait tout grand jouant. On revient. Et vous se baillez une bêche sur le pauvre. On ne sait rien que c'est. Et un vient sans réverbère. Et fait il manoir qu'on sait bien. Et couper la toit pour la bière. Oui, pour la bière. Fréquenter ce stéphane supplice. Vraiment, mon man n'y est propice. On n'a plus d'agrément. On n'a plus d'amusement. Faut mieux se mettre en connie. Un cordon scoyé. Là aux raisons que cette prête. Ouais. Elle guère. Ça me l'ébrouille pas tout costeux. Oh. Même d'elle fréquentant. Bah. Mariez-vous, mes enfants. Et si vous vous plaisez bien dans la misère, ah ben vous serez heureux. Oh, Marie, oui. Si vous faites venir le mariage, oui. Pour comment une femme, Loïs, hein? Il n'a ni meilleure cuisinière, nul vent. Comment? Être femme cuisinière? Mais ben, pas sûr que c'est une ancienne serveuse, machin. Ouais. Oui, mais... Alors, deux serveuses, machin, c'est pour ça qu'elle t'a retenue. Elle n'a pas un bon palais et puis fait du beau mage. Attends, de Baptiste, on passe à lui. Nous ferons un petit dîner pour paraître à fortune du pauvre. À fortune du pauvre, tu veux dire à misère du pauvre. Mais n'a plus rien pour faire mage. Oh, ma poussa. L'œil fer, Loïs, et vous m'a dit de nouvelles. Elle vous fait du pâte pour chaud, sans viande. Oui. Faut qu'elle te fait, et du sang de la paix. Calmer, au dire du vrai vieux. Et faudra que les éviteurs viennent tranquille malade et un flacon, hein. Voilà, vous autres aussi, vous dans le fait bonne chère. Mais nous autres, le visage. Nous n'arrivons pas qu'à le flair. Bon, le bon Charles, vous perdrez tout ça. Tous les visés, ils seront évités au café de mariage à l'année. Oh, ah, si, à la bonne heure. Et le café de mariage, c'est ce qui va remettre dans le ghetto à l'animation. Et là, un tado, nous, hein, on nous pisse un café de mariage, hein. C'est un toré à l'île. Ce qui compte, non, c'est une bonne mine. Puisque Rosine ne se marie, vous évitez à m'inoublier. Vous n'allez pas vous verrez à votre café. Un chat de toré à l'île, un tartare serré à l'île. Et un fournet de macaron avec.
tourne. Faux. Elle vous va comme une gang, hein? Ouais. On n'aura jamais vu si propre marié. Oh, on dit que ça, hein? Une camisole qu'on a fait avec les draps glitch. Ah, ben, d'être oh. Là, ça se voit, n'y? Et puis, ma moye me permettait de casser de l'air à 13 francs du mètre de soleil à 5 francs. Oui, mais dites-le, Postman. Savez bien qu'il est déjà 10h30. Fernand, il m'a pourtant promis de s'y être à 10h pourtant. Ça s'en vient en demi-heure. Tout le monde ne s'apprécie encore de Dieu à la voix comme vous. Ravis de m'y décider qu'on nous le va. Ah, oui, ben, ça n'est vous qui se marie, hein? Ça m'y. Madame de Cornaillette, que j'ai du beau. Un bouton à bascule escape tout dur de mes argots. Mais testez sans patience. C'est dans tout s'il va te le mettre. Hein, Marie, j'ai l'idée comme Falcon. Il a raptiché de picrosie dans fait ce porc, hein. Hey, fais attention que t'as strappé une nuisette. Mais c'est-il que trop rouillant? Un ravanien, si tu fais monter de prône. Hey! Aïe, aïe, tu me strades! Va-t'en, va-t'en, j'ai envie de comme mieux tous ceux. Va-t'en! Allez, donnez parti, papa, t'en vous assistez, mais allez. On se prouve, Rosine. Mais quand vous virez devenir tout bleu, vous arrêterez, hein? Attends-tu pas! Là! Non, non, mais ça nous met là. Voilà. Et hop! Assis là! À peu près la fête, pied! Déjà! Vous, au moins, vous avez de la rue! Ça dame de Cornaillette, que tu as strappé du dur et du djou. Oh, sinon, t'es revenu dans la commune, un sac en gouriant et me soleil, hein? Ouais. Et un maître de chapeau. Les invités diront ce qu'ils voulaient. Moi, t'es un premier rire avec tes invités. Ouais. Il n'y a rien de plus qu'un autre qui a ma tante à Fernand. Ah, il se moupait bien d'attaquer. Oui, sans compter un frégus. Ah, oh, oui, mais ça n'empêche que nous allons les fameux dîners, hein. Avez-vous le menu que Fernand a fait? Oh, pour moi, le premier venu, ça c'était strange. Ah, vous le moustrez. Mais pour vous, du moment que ça vient de Fernand, ça assure ma bio, hein. Ah, ben, allez. Ravisez pour ça. Moustrez. Ah. Menu. Bouillon sans yeux. Boulique cava en porrechou. Ratatouille de rutabaga au lard de la commune. Pâté sans viande. Salade de fée. Géant de flotte à poire d'hiver. Tarte en céréaline. Macaron au saut. Café. Soit. Quand Prégus va lire ceci, il va bluffer de cater. Oh, oh. Ah, ça, c'était le fameux menu à nous. Oui. Ayez si on clibisse là, vous repasserez le plat d'un coup. Ah, ben, oui. Ayez sans vanter, tout sera fristouillant pour vous. Bon. Des dialogues que pour vos prêts, tout restant d'un demi-livre pour faire des nez à le deux temps. Que garçonnage! Un demi-livre de bulle, un ratio de toute la famille pour 3 semaines. Il faut ce qu'il faut. D'une veille fin du peu, je ne veux. Il a 2 mois d'espagnol miel artificiel, un céréaline et un toréaline. Ouais, et un piadon, puis seulement un moyen dans une petite douceur, puis seulement une torquette de sirop à mettre dessus ce grippé, hein. Ah, bon. Marie, oui. Marie, est-ce possible de trouver le ménage alors? Mais pour bonne raison, il y a 4 ans que tu sors. T'as utilisé le restant pour faire de veilleux 14. Ah, mais d'abord elle mettrait du bulle fondu, mais seulement elle va bouler court. De quête, vous avez déjà utilisé tout le restant de demi-lit? Elle n'a pas mieux, n'ai jamais vu du bulle ainsi. Il n'a chasse snio, il crape sur le paillet et il s'est le venu. Ouais, ce qu'on du bulle malasquier, il a tout de vin à part de le crème. Ouais. À vous montre, Marie, si on te cuit les poires au vin, elle arrête plus de goût, ça veut. Tu veux? Oui. Ben, tu vas te dire, autres, dès qu'on a 2 bouteilles à corps, monsieur Poucon, son dort, elle verra. Comment voulez-vous que tu fasses du bon mal? Je suis une rien à mettre dedans. Hé, hey, Loïse, si t'as eu de marchandises, oui. On a rien eu d'argent de cuisinier. Elle vous a pris parce que vous n'avez pas dit que vous avez fait du bon avec les rieux. Oui. Oui, il l'a dit. Même de filles qu'avec du bret, quand il l'a dit. Oui, oui. Oui, mieux. Elle mettrait du lard salé en mode de bulle et il y a du sirop de commune en mode de vin, si ça va. Faites comme vous voulez, mais surtout, pas rien ma chante, hein? Oh, ok, monsieur. Comment voulez qu'on fait des bonnes cuisines? Viande de taupière et bon boulet et chaud.
fut margarine. Tu l'es senti, tout paraît qu'elle prend de l'or. Avec farine, conseil au ravitaillé. Fait-elle bonne taille, il n'a de mieux question. Elle ratio-tu que chaque mois on nous parle. Il n'a mieux même en ce pour sucré et pagnon. Elle ratio-tu que chaque mois on nous parle. Il n'a mieux même en ce pour sucré et pagnon. Avec elle tombe auprès du fond d'espèce. Au plus du soir, pour les blancheurs qu'un feu. Au par Dieu même, a fait d'elle mayonnaise. Sans huile d'olive, sans vinaigre et sans oeuf. Tous par mieux chute, on fait cuire des betteraves. Avec sirop, on fait des macarons. Pour résultat, c'est vraiment trop doublant. Mais comme on a lieu d'eau, on voit que ça vient bon. Pour résultat, c'est vraiment trop doublant. Mais comme on a lieu d'eau, on voit que ça vient bon. Qu'on le fait pour Dieu qu'elle panisait. On a créé des œufs de charité. Elle qu'elle se fout et elle soupe populaire. Sauve-t-elle la vie en vieux des affligeux. À goût de lait, le tout tu sois de soigneur. Pour financer qui complète mon émieux. Mais qui plus tard, mon tir on les plus sites. Puisque c'est mieux cette chose que cette pense au privé. Mais qui plus tard, mon tir on les plus sites. Puisque c'est mieux cette chose. Ah, faites-en vous montre. Oh, tu veux bien, bien. Oui, ça vient, mais ça... Non, tiens, le cordon, Dieu, qu'est-ce qu'il arrive? Il y a de... Malheur a eu de la tâche, assurée. Oui, mais de coup, j'en fais du mauvais sang, ça veut. Manquez, en avance. Il n'oubliera rien de venir, soyez assurés. Seulement, ce qui pourrait arriver, là, c'est que ce pauvre n'arrive ici à temps. Pourquoi? Il est dans le cachot, peut-être dans les flancs depuis avant-hier. Oh, Dieu, là, pas. Ni de Marieux, ni de Biopu. Et si on avait eu déjà pour vie après Ferdinand? Ah, c'est une bonne idée, mais va crier après lui. Tiens! Ouais, tiens! Allez, tout de suite! Allez! C'est là qu'il arrive. À qui, Ferdinand? Ah non, mais le Diopo. Ah bon? Ah! Non! Que nous prenons! Mais en plus, qui m'a fait? Mais vous ne saignez honteux! Elle fait la vue qu'on a fait avec un costume de mariage de vous pas qu'avoir ta folle à bord. Seigneur Mima, décaillez assez-moi un grand tutu et criant Maya Saya. Oh, eh bien, elle veille pour dire à Ferdinand qu'on a fait appel. Oui, Marais. Mais on et notre Gaston Terry. Mais ne vous occupez pas de ça, s'il vous plaît, elle fait vos commissions. Hein? Ah, en tout cas, un siècle, il en forme un sourd. Mais, on dirait le bon père, Ferdinand. Un bon père? Oui. Il est tout seul. Il a tout l'air. Comme ça, voilà, il vient de flanc. Comme il est là, il est là. Oh, c'est pas très bien. Bonne même vous avez l'air bien foyé, camarade flic. Eh, on se recouvre à moi, une brasoire. Mais tu te saignes d'être vieux au diable, de Léon Neuf. Plus long que le diable, pas moi. Ah, bah, arrêtez à vous. Du babi, ça pour vous remettre. Merci, Mbri. Eh, Seigneur. Ok, un commissaire. On va dire, mais il êtes-vous là, vous dites que vous devriez pourvu ayant moulu. Oui, Marie. J'étais comme un marapu. Non. Dans la Flandre, non. Je ne m'en dirai plus. J'aurais encore mieux fait être un coup tout de l'homme du cul. Quand devrons m'attaquer, je suis si long que trop, aussi long que de si au bout du pasturage. Quel voyage, mes enfants. Qu'est-ce qu'on dirait qu'est pitié. 60 heures sur ma gamme, ailleurs sans chlorésien. Un dans la Rabondou, à 10 ans qu'il y a les autres, m'articolons de ce pays de patates. À Siro,
trek, flacon, jote da molle. A e me non rito curava da sciunove, che il coio dalla terra lo detme. Che voyage! Che pezzo da già mai vive. A montagne de René, c'era tu a Charpo. A stentiere, a pervu aussi re che caia. Poi pussi con me, pedeo che calvese. O te brugna, lei de bocessi su te. A poca ne fè la tmenia tolo in tu denivio. Ma che mo che tretta, no, ma non arriva l'eo. A io poi mo fè, pri vu per me, te so, sare. Già stu vu cu per te, o si cru che non avete. E ne mo io trovi un petit plac per sa scorsia in mille. Niente gut a buor, niente rega mege. Pourtant, j'ai souvent vu dans le flanc de pourchaud rapide vers le sel de patates tout boulantes et du bio fourmin. Au pays de Flamand, pour nourrir le pourchaud, on l'a immoré la gêne. Oh. Après, on va trotter sur une plainte de carbrunette. J'ai trouvé un petit stôle pour me reposer une nilette. Il a volé avec moi, il a aux attaques de mer. Aïe, t'as l'eau de lui, t'es la roue que elle est. Aïe, t'as l'eau, les yeux. Aïe, n'as l'eau de l'armée. Et quand Dieu s'en veut, il estime ma pépinaise de pouvoir être sauvé de tel chat par coucher. Tiens, celui qui est plus craint que le veille quand tu rêves. Ça, Dieu n'est tout tranquille. Un mermi à d'allonge. On était donc qu'un homme plus que comme de l'orange. Quel tisot. Oh, pour mille champs de bataille, Nignalou. Vais-je mieux de talure d'aller passer tout autour du front? J'ai traversé de camp, j'ai passé vers Zerouel, j'ai même manqué d'être pêché deux coups par sentinelle. Un peu n'y apprend l'homme traîne le pendant. Après bien des affronts reçus par-ci par-là, j'ai trouvé du costume d'un maître. L'on va au diable. Une provision peut-être. À un prix raisonnable. Oh. Oui, deux protètes qui nous coûtent. Puisque que le Saint-Cyr n'a même eu le grâce de me servir une goutte de café. Il a même refusé de mettre le bouton des pignes. Mais si jamais ce gaillard-là vient jouer un pays pour une, qui fait sardiment lui me rôter, c'est son chaud. Parce que si je raconte, elle peut te scouper un morceau comme une portion pâchée. Ben, parvenons à nos voyages. Quand on a eu le sac plein, un mermi à d'allonge. C'est un homme que j'ai duré, à y être doué du mot. À t'sais tout pas besoin qui est croqué à tout besoin chaud. Quelquefois, les Flamands, à demander le commun, il y a moyen de comprendre de pareil mon lieu. Quand il vous dit que vous avez pour les petits corps d'eux, vous pouvez congratter deux heures de demi. Un demi-heure, c'est une demi-journée. À un chaud kilomètre pouilleuse, hop, on t'a piché. En nuit, il m'a fallu coucher 20 barreaux. Un n'a n'y a plus dormi que l'autre nuit avant le gros. Malheureusement, l'ennemi n'y a un petit abou qui se quête. J'ai pas resté du menu sur mes deux couchettes. En arrivant en sirop, de l'église, on me dit, faites attention, les Allemands sont mûchés par des pignons. C'est l'atterreux, un roux, ailleurs un petit noir roux. Ils sont d'où là stockés depuis le piquet du jour. Qu'est-ce qu'il m'a fallu faire? Avec la monstre, m'a bien mûché vingt commanditeurs. Bah! Quel amoureux, toi, seul! J'ai stoppé ta stoffie. J'ai suivi Dieu tout gant. Aïe, plus mort qu'à vie. Non, je s'arrogne vous dire tout ce que j'ai duré. Pour ça faire une idée, il faut ce. Mais, principal pour moi, c'est que j'ai de nourriture. Et quand Travis me patote, hein, on peut oublier ma scrandissure. Mais pour me rappeler plus tard que de 8 ans de mots, en nous maisons, mettre les dresses par dame à écordiaux, je vais mettre mes deux chapeaux, un sac à martel, et va marquer pas de zou, souvenir
éternelle. Vous avez bien choisi le moment, hein, Flip? Ah, pourquoi? Pourquoi? Vous prenez une belle tenue pour le mariage de vos garçons. Le mariage, j'aime déjà pas. Maintenant, complètement oublié. Ma façon que c'est de mettre. Ah, ben, c'est ça, c'est la seule. Elle marche pas bien en maison, mais une demi-heure est suffisante. Qu'est-ce que vous dites? Une demi-heure? Une demi-heure de flamand? Non. Ah, oui, merci, hein. T'aimes comme mieux que vous viessez ainsi, puis là, que dans ce temps de jeune mariage, là, ça va mieux. Mais vous l'attendez, vous montrez aux mais Fernand avec vous ramis que ce mon père est présenté sa commune, à petit feu comme mal bleu. Bon, le bon, hein, Flip se mettra de rien, pour n'y être remarqué. Ah, le bonheur, François, elle va passer le coin du sumé, c'est me bizarre. Ah, putain. Allez, au passage, comme barre papette. Allez, donc, amenez-vous la veille par là. Oui, Marie, là, il m'a comment posé l'envers, c'est ce craque, ça, mais. Et je vous adieu. Non, Marie, de ne pas nous le soir, mais t'as serré en ligne. De soir? Oui. Mais vous passez dedans. Boum! Mais... Elle serré en ligne de gros notre ligne, Charles. Hein? Ah, par deux chuchettes en rideau que va à l'armoire. Ascoute, Marie, t'es bien, puis de rater le temps plus en plus. Ah, ben oui, puis bien ça. Elle a envie de rater le temps bien. Elle a envie de rater le temps qui est comme ils ont. Il verra mieux dans votre sein. As-tu abandonné comme tu dis? Ah, Moutou! Ah, tiens, tiens. Me blanc sur le mal. As-tu une minute à c'est parce qu'il m'a foulu la tête que le costurier vient se me rapporter une marron. Ah, oui. Il a foulu lui faire un rassalci flounu. Bon, oui. Il a honte de te remis ton faux main. Bon, j'espère que le jeune va plus traîner. Ben, on appelle Marie. Il n'y a quoi arrivé? Mais. Le mariage, c'est pour 11 heures pourtant. Ah oui. Oui, ben, il a certainement eu malheur d'arriver. Hein, de... Oh, comme de fois Dieu, on va condamner à passer 12 heures. 12 heures? Oui. Ben, ça vient trop tard. Ben. Si tu dis au con une heure et demie. Ben, en mode casse de spécham, il a renvoyé de se mettre à temps pas 12 heures. Hein? Mila, à te dénerre déjà bientôt maintenant. Bon, ben. Ben, donne-moi un bus. Tu vas se flip. Mais qu'est-ce qu'il y a plus de s'atteler ainsi pour venir au mariage? Ouais, compagnon! Hé, hé, hé! Là, il dormit ce malheureux là, hein! Mais il vient tout droit de Flandre! Ah. Rosine, dans une main polue, qui l'air beau de quand ce maison coupe ses toilettes, se rend en stage pour le mariage, hein? Ah. Et pour le dîner et tout! Ah. As-tu justement 20 grands appétits? Bon. Quand ça, le flair qui vient de parler là, ah ben, des larmes aux yeux! Bon. Elle m'en prête des petits à con! Non, fais, non, fais! Tu perdras patience comme les autres! Hein? Oui? Donc, pour une vie, le programme en attendant. Un programme? Oui. Un menu, ça va vous pousser. Allez, tenez. Vais-tu de mieux bluffer dessus? Non, non. Ça m'a l'air mauvais, hein? Ah non. Dommage, hein, Marie? Il manque de moules et de petits frics. Dans pas tant ton picorceau, mais c'est du lustre. Lustre? Ben, vous pourrez raconter une paire de kilos à ce homme-là? Ah. Ouais, venez. Flip, ouais, Flip, un tchac! On a mon autre tchac! Ah non, tiens, voilà pour ça! Bonne lancée! Bonne lancée! Bon lancée! Ça va! Ah. Hé, Flip! Marie, elle demande si tu prenais l'hiver une dizaine de kilos de patates. Ok? Un 20 de patates? Oui. Mais tu pour te repérer dans le chien, viens ça, tu m'enseignes un jour! Hé! Tu pourras tout de même me donner une pelle de grosse pour m'y mettre pile au fourneau en attendant le dîner? Tout le monde, ça va être de mais quelle nouvelle, toi aussi? Mais v'là obligé de venir que le client à la maison. Mais il a plus d'une demi-heure que d'attendre le mariage, ça va. Ça va plus traîner, ça va, mailleux. Il m'a plus faux que le marieux. Et puis, de suite, il comprend. Bah, dites-le pas. Aïe, non, prêt. On pourra commencer. Assisez-vous, mailleux, vous burez une petite sac. Massire, François. Oui. Me donnez-moi ce temps, là, donc. Au matin, au comité de secours, au bureau de police, au bureau de ravitaillement. Sans compter qu'il me faut réunir les pompiers. Fais noircir le réverbère par ordre de commandature. Faire recensement des gvaux et des baudes. Oui. Et j'ai au moins 400 cartes d'identité assignées sur le pupitre. Alors. Moukéane, as-tu dans le. Ben, qu'est-ce qui te prend? J'ai oublié une carte d'identité. Ben, surveille à ton peu qu'on veut demander un coup de loup, il n'a pas qu'il n'y ait pas de tiers commun. Ouais, compé. Elle me donnait un vide dans la gaillole, ça veut dire.
Ah, à propos. Oui. D'oublier de dire à Flip que ce fait Florent et Sven en verre au nom mariage. Il a été déporté hier au nuit à l'Oquignol. Les mains de chance, hein? Hein? Bon, le bon. Le port sur d'autant plus grosse, d'arrive. Vite, ben, va m'apprêter, hein? Ah, ben, pour Florent, lui qui se bloque tout, ben, c'est bon, j'ai. Oui, oui. Ah, ben, pour Milan, Fernand a eu le même face. Votre main, je suis depuis l'eau, mais. Ah, il n'a rien de possible, ça va me finir. Non, parce que les militaires policiers sont en route devant la commune. Et le sieur qui a pris son carte d'identité, il a ramassé des pics. Oh, ah, oui. Dieu qui est un pauvre nana. Ah, barbe-la, une de Maria. Mais là, pas on te le dit avec une carte d'identité. Bon, mais François, mais ma vie, quand nous maisons pour son cas, va faire l'ensemble. En tant que quoi, non, veut, hein. Mais justement, j'en vais dans le vide de cas, là. Mais à propos, mais là, il n'y a plus. Mais qu'est-ce que c'est? Je viens bien que je ne suis jamais tranquille. Ah, bonjour, hein. Bonjour, chauffeur. Monsieur le Mailleur, on monte après vous. Qu'est-ce qui demande après mes idoles? On a téléphoné de la commandature à propos de ces mains de Baude. Ah. Mais le sieur Putretin, en toi, tu n'es présenté. Ah, ben d'abord, vous êtes cause capé pour ce coup-ci, non? À part ça, on a reçu une lettre en allemand, disant que la trappe est frimée. La trappe, oui. Le tape que vous voulez dire. Oh, c'est bien possible. Ah. Après, on a reçu une lettre, tiens, là-ci. Mais ça, c'est une lettre de furgence. Oui? Oui. Urgence, Maligne. Ah, qu'est-ce qu'il a? Ah, il songe. Ah, à part l'autre voleur, j'ai le pèse en affaire. Si le mailleur ne désertait pas le garder, ouais, il va passer un mauvais quart d'heure. Ah, vous parlez sérieux? Mieux de patinage devant le branche, François. Le mailleur n'est qu'à prendre. Le femme, sous Michel bas de rue. Ouais. Et l'autre qui l'a rose gueule rompue. Ah, l'autre gueule, monsieur le mailleur. D'ailleurs, Ravetti, elle te l'a marqué tout au long de son carnet. Avoir menacé un trop orgueil, si c'est pratique, un regret de mailleur à personne. Et elle me dirait bien pour qu'est-ce qu'elles sont en furie contre lui. Parce que Séraphine du Groupi a trouvé la ventilation tout populaire. Et c'est pour ça que vous faites tant de mystères. Ben, la semaine passée, c'est Bertine Linflé qui a retrouvé une souris dans le pays d'Olante. Et je donne bonne à 20 cause de mailleur. Et à dire qu'il y a qui sont jaloux d'un plage. Y être mailleur un temps de guerre, c'est une répunition. C'est l'affaire de sur terre, c'est le plus grand de guignons. Qui se tape tous les sabbats, seul mailleur. Qui se convertira un château en main, seul mailleur. Qui se capte un six affaires à vous, seul mailleur. Qui se guine à une minute d'un coup, seul mailleur. Tout le jet de la commune, à la plage de Mermercieux. Dites que t'es fait fortune sur le pont du comité. Qu'est-ce qui mâche le bloc farine? Seul mailleur. Qu'est-ce qu'a tout le céréaline? Seul mailleur. Qu'est-ce qu'a le plus bio morceau de l'or? Seul mailleur. Qu'est-ce qui ramasse tous les yachts? Seul mailleur. Si la saque qui floche te fait ravitaillement, tout le monde est sur ta poche, il faut un intelligent. Qu'est-ce qui diminue la ration? Seul mailleur. Qu'est-ce qui nous fera manger du son? Seul mailleur. Qu'est-ce qui mène le poids à l'éveil? Seul mailleur. Qu'est-ce qui nous l'air à morifier? Seul mailleur. Pas le chien du village, là-dessus il est respecté. On bloume un paysage, on m'envoie comme Dieu. Qu'est-ce qu'on l'aume de
ne pas voler. Seul Mailleux. Et Gisco très accaparé. Seul Mailleux. Gisco la gueule à l'occasion. Seul Mailleux. Tous quatre un poquet fois d'agneau. Seul Mailleux. Si aux eaux par bonheur de nouvelles élections, vous pouvez indexer, mais donneront de mission. Daniel Mailleux, Gis-Gis a trop bu sur les reins. Daniel Mailleux, Gis-Gis donnera ce plage qui m'occupe. Daniel Mailleux, Gis-Gis fout trop des électeurs. Daniel Mailleux. Maintenant, Zidore, en zin de blayer le terrain, c'est vous service, hein? Attendez, monsieur le mailleux. Bon. Elle m'a fait décrépir le manifestant, mais dans la vie. Allez, allez. Oh. J'espère qu'on aille comme un jardinier sans mi. T'as fait mieux. Oh. Le mariage de Nicoprès. Ah, qu'est-ce qu'on attend? Il se tourne. Mais qu'est-ce qu'on va dîner d'autres aussi? Ah, tout est bon. Et vous le voulez appeler, t'as semi? Vous voyez tout de même bien que Fernand n'a pas arrivé. Ah. Ben, il a joliment attendu. Tenez, à propos de dîner, avant d'aller à la commune. Bon. Ah, vous voyez bien ce temps-ci. Il passe pour qu'on dîne. Es-tu content de parier, là? Qu'il n'a rien qu'une pour les envoyer comme il faut. Ça y est, monsieur le mailleux. Vous pouvez marcher, hein? Je vous conseille de faire le tour par le Royal Carbo, hein? Oui, d'accord, d'accord. Bon, êtes-vous atteint à la commune jusqu'à 12 heures, hein? Mais, il n'y a plus tard, ainsi, là, mailleux. Quittez pas, monsieur le mailleux. Oui. J'ai fait une demande pour m'y avoir une carte de suralimentation. Ah. Elle l'arrête bien là. Mais vous n'avez ni le droit d'être suralimenté, mon garçon. Non. Vous ne tenez malade, hein? Et d'ailleurs, je vous ai barré de lisse. Donc, allez, à tout à l'heure, hein? À tout à l'heure, Mayur. Oh, Mayur. Ni malade. Elle famine, elle tranisse. Elle saigne de maladie d'abord, cela. Mais j'en serai une demi-douzaine de bières solitaires. J'ai tout dit faille. On a raison dit que le cœur veut. Il considère mieux la fameuse. Bah, on accuse ni qu'on le mailleur, va. Il a bien plus appelé qu'à critiquer. Il n'a ni plus les poses qu'elle sienne. Et les poses? Mais qu'est-ce que tu vas dire du but d'amour? Tout dit à route, pas tout le temps. Il faut des hommes d'artaud. Pour être de Valpolis, il faut de l'autorité, du flair et de l'agilité. À tout moment du jour, on me demande de service. Le village tout entier, à me soigner confier. Tout le monde te le dit, avant de vivre, que flotte de tulle de leur tempête, de leur débris, quand ils ont perdu. Quand une faction, avec le bateau, devant le village, chacun me redoute. 5000 pibiots, chauffés d'aoute. À la saison de pétot, par nuit, faut faire patrouille. Ah, donc le gros saint-cieux, tout en lune et se repousse, pour se veiller terre, au Saint-Anne d'Alberdou. On a mourage le maigre scolaire le veut. Mais seul devoir, aïe ta noix, par la pièce de brique mine de Capois, quand je le martyrie. Quand il est Dieu, appelez Sio, il n'a pierre mieux que dans seul main goutte. Un malheureux, chope et ta route. Il faut savoir tout faire, d'ailleurs, monsieur pareil, de vers comme il faut trotter, tout le du jour sans s'arrêter. Heureusement, t'es vosé, il me qu'un petit tréguet, et qu'on ravitaille on a de supplément. As-tu facteur, et camionneux, celui qui empêche que dans le rouel, pour avancement de la dîme. On m'a casé, qu'on donne un peigne,
se fait mettre à l'interdoute. Avant partout, j'en pète la route. Mayur côté ennemi, écoute de nouveau. Et être nous j'espère mieux, être l'homme brigadier. A trop de devenu, commissaire d'Alphilor. Menègne destruction, vraiment c'est quignon. Mais ça ne fait rien, j'aurais fait mieux. As-tu bien fier de ta police, de présenter le droit de justice. Tu respectes, considéreux, à te demanderai qu'on garde sa route. Pour mis morir, chopez ta route. Je mets tout au pupille, hein? Hein? Fernand, va y m'a fait une pareille, tu penses, hein? Même, avant, il y a deux soudés, c'est une sauveur! Impossible, garçon, il y a peu de boulet. Dans un quel carotte au gardien, il m'a gelé la vente d'aider. Ah, Jobo, rapporte-en pour mille carottes. En grosse, hein? Oui, non! Hein? Mais j'ai des carottes fraîches des nids, Mario. Mais c'est ce qu'on n'a jamais vu, hein? Il a mis plus de mariage, puisqu'il n'a plus de mariage. Ah, vous la mettez plus, voilà. Ah, ça me rend de l'espoir, ouais, et de l'appétit. Ah, ah, vous trompez pas, un semi Fernand. Ben, on dirait les mascaras. Ah, ben, il est capillon au bus, hein, ce meunier, c'est en sustien. Ah, non, c'est le contraire. Un sac en nous, il va tout rabouler. Oh, Fernand, ben, bonjour, monsieur. Ah, non, me trouve. Bonjour, Trubiné. Bonjour tout le monde, hein! Bonjour, Ferdinand! Tiens, un papa est là? Elle passe justement à lit. Oui, pas! Oui, pas! Vous voyagez, c'est bien, c'est on veut lui faire luche! Mais ne pourrait jamais dormir tranquille, au bord de vache aussi! Mais qu'est-ce que. Mais il est de coude, Baroque, hein? Mais il fait ça, ce voyage, il a vu tout le couleur! Mais dites pas, Ferdinand! Vous devez tenir lieu! Pour qu'elle avait une venue, putain! Mes filles sont tout noires, ça va mieux. Ah, mais ce n'est d'une faute, quoi, y'a-me. À 8 heures de ce jungle tenu. Ouais. Mais la tenue, comment porte tes billets pour me trouver à 10 heures sur la route avec un escoupe, une brouche et un saillot. Bah, y'a pas qu'à faire. Pour n'est-il le pas vu. C'est l'équipe volant, une nouvelle invention du capitaine Hertz. Oh. Justement, tiens, lui. Oui, vous allez bien faire passer par ci quand même, hein. Mais possible, alors s'il ne faut qu'il y ait le temps de courir en pause. Tu viens couneux dans le village, tous mes parents c'est déjà vieux. D'ailleurs, on voit bien le visage que tu es garçon distingueux. Dès cette cavée à l'école, faut compter qu'on a voix de drôle. Au coumin chemin de l'Guerdesto, tourne de pilule au pharmacien. Maintenant, es-tu, n'es-tu de Richaud, n'es-tu de Richaud? Pour les Prussiennes. Elle n'a jamais pris un main, elle n'a coupé une brouche, essayons. Maintenant, quand on me voit sur le chemin, des tout, mais ça fut tôt. Quand il pleut de ramoune, la berdouille, dans tous les saloperies de farfouille, dans les érouelles qui ne saignent bon, elle te fait des tournées hygiéniques. Elle ramasse tout, la commission, et y'a le clip de l'acide phénique. Dans nos métiers, ce qu'il a de pire, c'est que malgré le mot, on ne gagne rien. Elle secrétaire que de cette vie m'a répondu, ça me regarde mieux. Après la guerre, vous aurez une médaille, comme tous les cieux du ravitaille. Mais d'une foudeuse décoration, d'arro comme mieux, je vous prie de le croire. Avoir déçu, plémédration, mis d'un travail pour la gloire. Ben,
comment il comprend, Diabo? Vous abonnez vous nous voulons un blanc, Diabo. Ah, d'arrêter quand même bien plus près qu'au Dieu, hein? Si vous savez jamais le mauvais sang de mes fées, hein? Mais abandon, pauvre camarade! Mais vous risquez d'être amené en Allemagne, hein? Mais oui, mais d'où c'est tout des postes que d'un peu abandonné. Allô, Rosine? En ce temps, vieux! Ma cause bougissait, s'il vous plaît! On dirait des gens qui n'ont rien fait. Ils sont capables de faire un jeu de 6 euros. Mais tu prends, ben d'abord. Elle m'a fait rien qu'on fait le réalité si on a pris un jet en de Marie. Ah, mais il a une heure plus, hein, Marie. Oui, ben ça continue de la stache, hein, souci. Si ça continue, là, on va arriver en commune à Inu. Ouais, il y a des nés à 3 heures. Un nénette juneux, ça va mis. Ça y est, un de l'aider qui n'a pas de juneux. Un de l'aider. François, écoutez. N'ai-je voulu parler à force du mailleux et ne saisir vos femmes. Non. Mais des nouvelles pour vous. De nouvelles de qui? De nouvelles de vos garçons. Lorsqu'il une lettre venue par l'Hollande. La lettre de vos garçons? Oui. Rosine, vous n'entendez rien? Une lettre de Maurice. Okay. Une lettre de Maurice? Mais oui. C'est bien ce que tu. Marc, regarde, il a une lettre de Maurice. Oh. Justement aujourd'hui, Rosine, ça va nous porter bonheur. Un petit à ce qui? Mon Dieu, lisez la fille, Rosine. Je vous ai commis ces quelques mots, me servant de mon sac à dos, comme un pupitre. Le canon qui gronde tout près semble mettre des points à frais chaque chapitre. La lune éclaire à demi mes camarades endormis dans la tranchée. Il a senti à la fille, être dans l'horizon confus, la mort cachée. Votre portrait m'est parvenu, je ne t'avais pas reconnu. Brise le plus doux lien, tu prends
bien faire, femme. Comme il passe en doux, hein. Merci, Zidore, de nous avoir apporté de nouvelles de Pierre, vous savez. Je ne sais comment vous remercier. Oh, mais il n'y a rien avec ça, toi, François. C'est des beaux queues. Voulez boire une goutte de café? Ah, voilà tout. Justement, je me disais qu'il soupe 5 km de chopin. Oh, mais c'est une bonne idée. Justement, nous, qu'un peu n'y est venu. Il a stoppé comme on torche. Voulez profiter, Zido. Et des nids de mariage, c'est ton guerre. T'en dis, il y en a, hein? Afrique, hein? Qu'une idée d'éviter les champettes à venir. Vous gagnez de mourir en famille, donc. C'est juste. Quand il t'a pour 6, il t'a pour 4. Hein? Ravisez, François. Justement, t'as oublié une mallette. Une mallette? T'as comme un baillet, je le mettrai en place, cette mallette. Oh, tenez vous là. Bonjour. Ah! Oh, petit Diogo. Oh, Priva. Quand est-ce qu'il a l'envoi au champ de bataille? À votre brère ou bien? Moquez n'en pas, chère Rosine. Mais soyez sûr qu'il sera content, vous faites vous savoir heureux. Le larme, ça coupe l'appétit. Elle s'en passe comme on dit. Une vague qui brille. On va le bien gueuler. Ben, si tu te mets bien ta gueule, va. T'as venu quand on a l'ensemble de deux brouches, c'est un instrument que tu ne pourras pas d'attraper une grippe espagnole. Oui. Une grippe d'Espagne, une peu minimum. C'est plutôt une grippe du pan qui est là, oui. Allez, on a franchi, c'est le café, monsieur. Marie, une petite goutte de brèche avant de me rafapir. Malheureusement, Philippe, est-ce que la faute d'urgence? La digne bon, ce du pulsoir avec des chicorettes, patron. Mais justement, il est bien bon. Un monsieur qui fait col glou à l'heure qu'il est. C'est qui n'a rien qu'on fagne à ce. Il a bien des gens difficiles. Qui dit que le peigne mourait. Que la croûte ne tient pas le mis, que quand on le découpe, il se défait. On dit, c'est du sang, du souillet, de la gauche, du plat, etc. Ça se dépapeigne à la farine de ligne, il la colle tellement qu'il le craque. Mais, pour part, un marlec qui fût pas cuit ou pas brûlé, pour le manger, un monsieur qui fait une goutte bec, c'est qui n'a rien qu'on fagne à ça. S'il parle de le soupe populaire, il prend des nerfs de gouste. C'est du jus de tripe, c'est du haut de gouttière, c'est du cafouillage, du nerieux. Tout cas, ce qu'on doit mettre dans le marmite, ça disparaît. On ne sait comment. Un comité pour ceux, il en profite. Il s'enrichit sur le compte de Jean. Mais, Adleu l'a dit, tout le compte de biette, dans la ration, sans broche. Elle sait qu'il n'a venu dans cette assiette. Il n'a rien qu'à faire ça. Lors de la commune, c'est la même affaire. Il y a toi ce qui n'est pas bon. Qu'on a de goûte quand on le flaire, tellement qu'il sent la transpiration. On dit que les Américains ont 8 de ça pour se foutre de gens. Pour ceux, c'est de fond de magasin. Il n'y a pas si autrement. À toi qu'on abaille tout dépôt, en voilà, à te faire une chair de Dieu. À ceux qui nous suivent, Morchot, c'est qu'il n'y a qu'on fagne à ça. L'Utabaga, tout le monde a le cri. À la pli, mais ça ne nous rigne. Pour le centre, c'est tout ce qu'il a pris. On ne devra jamais manger. Ça n'est pas bon, même pour le vac. Il n'a rien dedans, sinon vient de Dieu. Ça dérange tous les estomacs. Ça vous appelle comme est tout mieux. Mais, la marche 4, chaud, tout le jour. Un monsieur qui dit que c'est n'est ce goût. C'est qu'il n'a rien qu'on fait à ça. Mais tout, c'est difficile. Des clameurs, quand le peigné est mauvais, quand le sirop saint au mêle crassouille, ou bec à eau, baillot trotterie. Dire que tout maintenant, on a un monde. Il y a quelquefois, un gueule le mailleux, parce qu'au baillot du pain de l'autre,
un millet moisi sur le dessus. Mais tout maintenant, un machelot le diable, païenne tout quand ce que vous voulez, un cieux qui fait qu'on le gloue à top, c'est qu'il n'a rien qu'on va y assez. Bon, passez dans une castagnole, mon maître de Marie. Même sa mère, oui, qui manque, il a des yeux que t'as dit. On n'a pas cette plainte. Oh, mais ça y est, ben, oh là, hein, mais de la niaise, ça va pas tout, hein. Parce qu'il n'y a pas peu qu'on ne peut pas dessus. Ah non, hein. Avec quand même. Oh, ça y est, hein. Oh, oui, venez, assieds-nous là. Voilà. Ça. Oh, allez. Oh, oui. Oh, hein. Et il y a mis de peine à abandonner mes salles, non? Oh, ah, si. Si tu la contre, au passant qu'elle m'avance sur l'ouvrage. Oh, mais le bosseux, ça. Oh, qui est en plomb, hein? On se passe vraiment à faire ta voix. Ah, ça ne regarde personne, nous sommes dans le but. Attendez, Aloïs, que tout fait prête pour 2 heures. Pour 2 heures? Oui. Autant dire qu'on est gagné aujourd'hui, là-bas. Mon Dieu! 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 Vous savez les effets? Ah ben, vous voulez bien potager. Allez boire une goutte de café! Sera-t-il nous marié? Bon, oui, il a coué les yeux de boum, le mariage pourra se faire. Ah, il a donné à tout. Vous allez être marié, pas mailleur, à mi-temps amour, monsieur. Ah, ben, le boum, allez! Eh, route, et qu'on suit mes ambassadeurs! Vive le mariage! Ni un cas de foyer mariage, Jésus! C'est comme si que de faire nos deux unions! Il est temps de faire la route, faisons-nous arrête tout! Tu te mets de pilote de par deux, et les dios dans l'oreille des sérieux! Tous les liens, c'est nous ensemble, nous dirons. Et il y a le pâté de gambon sans viande, il a faut que 20 vols.
Ah oui, ben c'est qu'il le faut. C'est le plat de résistance. Le géant de flotte de cette livre, comme Maraigre, c'est esprit pour aujourd'hui. Elle n'est plus grand fine, hein? Mais de l'idée est mieux au géant de flotte. Ah ben, ça vous goûte de la paix? Comment si ça me goûte? La main joue, comme on dit, sur le kit des tigneux. Ah ben, tant mieux d'abord, hein? Parce que nous aussi, on a eu une toule des messes. Et il y a au mèche 4 jours dessus. Eh ben, elle t'est revenue, hein? Ça. Et quand vous serez sans, un papa vous adonnera de cette espèce. Ben, parlons et pas de nous deux, hein, tout maintenant. Savez bien que des cohus de cadeaux de nous. C'est ça bon? Oui, t'es eu un brouche à la monnaie, un palette au flou, un burier. Oui, pour mettre une graisse dans la commune. Oui, oui. Un paire de brideaux de chapeau, mais vrai cuir, hein? Oui, oui. Un maroc de lait, et il y a deux boules de sulis de barguer. Que de fou fernaille. Oh, bah oui, ben ça, en ce plus le temps qu'on en a le jour de Marieux, une douzaine de chez sec, bah, régulateur ou bien service de soap, hein. Le faïence est sopri, ça veut tout maintenant. Ah, mais tu veux dire quoi, ça veut? Ma camarade avait te mis en mise pour qu'il pour de nuit, avec les yeux au fond. Sérieux? Ben, on ne sait plus à trouver nulle part. Ils ont voté pas cette réquisition, non, pour le plus siècle. Bah, aux yeux prêts, on s'en passera bien. La bourgassie. On a rue, mais c'est une misère de se marier à d'autres guerres. Il n'a plus rien pour se mettre à ménage. Mais, même vous chagrinez, puisque nous allons demeurer douce avec vos parents. Ça vient, mon copain. Allez, à venir montrer les nouveaux dons, à ce qu'ils sont. Ah ben, par là, de belles chambres, hein. Alors, venez dans vos domiciles. Là, puis, il n'y en a plus, on s'en fait. Loïs, Loïs, on réclame la paix. As-tu pour rien dans ce service, hein? Oh. Si ton sultan, tout le plateau de l'épreuve. Non, tout la bébé de champion, tiens. As-tu fait une estomac qui l'a cette mort dans le poing? Ah! Ah, il va t'y être prêt, tu n'en as la paix, hein? Ah, ben, frère, il a le mec de faire une charrette ici, hein? Bon. Elle va pouvoir espargner, me ravitailler et faire le coup, hein? Elle va faire 8 jours sans manger. Oui. Moi, une petite millette de repos en parrainateur pour l'aider à cuire le mortier. Ah, ça peut être celui qui va faire le port. Inutile, hein? Isidore, le port sont faits à la vache. Oh. Hein. Qui flaire, hein? Ouais. A-t-il pas d'aller passer une nervue par là? Non, fait, non, fait. François. Oui. Voulez-vous croire que des grosses dans le tête? Bon. Un copine veut pas se le m'arrêter, va. Elle grogne de passer le plat. Mais puis j'en ai qu'il faut qu'on s'accorde d'aider comme c'est ici, pour vous le vivre comme avant, hein. Bon, fond, hein, je ne demande rien à un crochet, ça va. Est-ce trop jeunette pour mener une demi-tonne pas de vomi? Quand pas tous les autres à clerpie comme de ce capron, hein. Bien des affaires ont disparu. N'a plus de genève, n'a plus d'eau de vie. De l'huile d'olive, on n'a pas le plus. Il n'a plus une viande de pâtisserie. Même ça que corps tout maintenant. Vieux plus rare qu'une bonne goutte de France. Vieux plus rare qu'une pièce de chauffrin. Ce pilinum avec grosse passe. Non, le boudin ne se porte plus. Maintenant la mode, c'est la fin de taille. Si la coquille fois est penchue, c'est qu'il limogne de ravitaille. Un chèque gros fait ce qu'il peut pour les messieurs scorpulence. Pas tous les gens, il est l'oume, on a pris le doigt d'avoir une grosse passe. Pour Amérique, il a des gens qui d'aller trouver le médecin. Il perdait deux médicaments, une petite tradie sort de papeigne. Mais pile guérit l'Ouramérie, sans médecin et sans ordonnance. Il n'a rien de dire qu'une guerre ainsi, ce n'est de pilule pour le gros pense. Mais ils sont chers voyageurs à la flotte. Un mauvais de la vie, ça c'est un cauchemar. Mais non, hé!
Lei l'ha dormì, sa tu di ogni domenica nuri. Ma on a plus un nom, elle dit à moi, est-ce qu'il est? Et elle dit à moi, est-ce qu'il se passe? Ben, ils sont dans le champ, pas sûr. Ben, les hauts, là, ils sont là bien. Ni tout repos, ni le tour de noces, hein? Justement, ça fait tous les quatre hauts de combat. Elle dit à moi, n'y a mot. Marie, Marie, elle va t'y être plein de lui ou non, elle va payer. Elle n'y a plus, elle là. Ah, comme tu sais! Ah, attends! Alors, allez, 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 ça n'a tiré mis le bon. Oh, elle m'a quand même accusé, ce neuf. Oh, ça y est, dans la voiture. Oh, il y a diable que tu portes. Elle arrive dans la queue. Mais c'est contre la starche, à toute va le froidir. Morir d'un bon que de morir de fagne. On te souffle mis si l'on main. Me voilà si tout seul avec le plus grand de camarades. Qui flèche? Mais qui belle vite. Il en devrait prendre. Elle masse de sauce. C'est tout chuc. Bon, Bertel, t'y attends que tu veux. Mais la peigne, c'est lui qui va le manger. Allô? Hey, l'homme, je suis rentré. Il fait des guerzines de fière dessus le pauvre. On va y avoir aujourd'hui. Bon, ça, moi, il me donne de mal, faut qu'on s'en casse, c'est un fait encore. Pas eu ce qu'il faut, frère. Par là. Par là? Oui. A-t-on jamais vu venir de la diologie à l'heure du déjeuner? J'hésite à être une fesse et le corsa va l'être. Allô, vous s'abusez, elle m'a retrouvé pas de zoo, il est. Un confident, pourtant, il fait marquer sur le porte que l'air fut 10 personnes. Ça parle là, bon d'eux. Par là? Oui. Ah, tu penses qu'il ne m'a rien vu, manger? Bon. En plein tout, il est trop affrouillé, hein. Sans que ça perdra, tu dis à cette ardeur d'aînée. Bon, ben, t'es le diable tant que tu veux. Mais la peigne, tu ne l'as rien. Je te montre ici, chacun a sa goutte. Et il mange volontiers de le grogne. Et non, t'as mieux de le porer de chou ou de le saucisse de Boulogne. D'un counois, qui se met bien mori ou de moule avec du persil. Ou de trip ou de le panchir. Mamie, un grand régal, c'est du lapin. Bon, ben, je te le dis autant que tu veux. Mais le lapin, tu ne l'as rien. Accommodez-le comme du vieux, avec des oignons et des ailes. À la casserole, ou bon fourneau, pour moi, c'est de gagne. Cuisez avec des rosines, avec du lard et des prunes. Mais un maltiette ou belle filet,
le pape de devant ou le maroc, n'importe. Adventure de Dieu. Le roi de Berge, n'y a pas cousin, quand il a le bonheur d'être attaqué, c'est une bonne assiette de la paix. Bon, Bartholdi, autant que tu veux. Mais lui, tu ne l'as rien dit. Dommage ou bien, 4 coups par jour. Au matin, aussi bien qu'on dit. De mettre au bien 2 genoux, de les casseroles ou bien les flics. Que voulez-vous? Sandine, une passion qui dure en vie tout entière. Quand vous faites une première communion, j'apporte par cœur mes prières. Arrivé au passage qu'on dit, donnez-nous notre pain quotidien. À lui-même, d'ajouter tout dit, avec un bon fesse de la peine. Bon, ben, te dis, attends, tu veux, mais la peine, tu ne l'as rien. On a bien au dire, de le bois voltier, de n'importe quelle espèce qui fût. Noir et feu ou bargette, géant de flanque, gris, ou Barus. Sans vouloir remettre Bietagère à la peine, son grand camarade. Sans lui, n'aura plus d'agrément. Sans lui, à devenir un malade. D'ailleurs, il a beaucoup comme moi. Surtout aussi, au borinage, elle la peigne. C'est le plat favori. C'est le régal de tous les ménages. Bon, maintenant, tiens, tant que tu veux. Mais la peigne, qui ne la règne. Elle la peigne à tout le peloton. À tous les dénés, on l'évite. Baptême. Mariage, Ducasse, Raclot, et ainsi de suite. Si le grand Dieu nous attendons, arrive aujourd'hui pour demain. Es-tu sûr que dans toutes les maisons, on fera et des nés au lapin? Madame T. La voix qui blève te autant que des enfants en fachette. Mais que ça allait. Avisez-vous, dis-le. Voyez qu'il faut une bavette. Maintenant, si vous voulez me rendre heureux, à vous tard. Mettez-moi une assiette. Voyez-moi, d'un suffoqué plus que d'un contagieux diable quiète. C'est d'accord? Oui. Comment vous remercier? J'ai une idée. Un mignon matin, à vous porterez un brachis crio pour vous la peine. Oui. Garamagne, on dira que ça se passe. Ils vont remonter. Vous ne pouvez pas manger au cul. Ah, n'a rien trop pu. Heureusement. Oui, mais si on dit, il faut le venir dire, hein, tout de suite. As-tu pas sûr que la paix a tout froidi, hein? Mouuuu, que désordre! Mais comment, Marie? Vous me demandez, oui. Soudain, mais la paix, il n'a
Il a le frein. Non, fein, il a le frein. Il manque la mitaine de mon show. Ben, le cas de le bizarre dans la tombe dessus, on s'en va faire donc on est encore. Bon, il a le cas. Il a le mille couvert de sur le casseron, là. Voilà. Voilà, il a du louche devant ça, c'est. Puis où, mes pauvres, qu'est-ce que t'as scandé dernier? Souffle! Ah non, seigneur, mais je fonce. Non, seigneur, mais seigneur, mais. Allez, n'y t'en discussion. Les où me faire lac? Avez-vous Eka? Ah, n'y a vu Eka, mais. T'as vu un homme comme. Qui? Qui l'a vu sur le bombard de ma souluche tout en semaine? Oui. C'est lui. Oui. Vas-y à son petit descate. Qui trône au asparon? Ouais. Ouais. Et si tu comprends bien, vous avez pensé que c'est un livre de 24 ans, là, tout. Ah, oh, écoutez, vous avouerez franchement, mais de la peine, c'est un goût de main, jamais. On a oublié de quoi? Ouais. Vous avez fait l'autopsie. Inutile de vous croire sur le parole, allez. Bon, ben, puisque tu es hors du jeu, ben, tu as risque d'arriver trop tard au ravitaillement, si ça continue. Au matin, au sirop, qu'on me le veut. On voit circuler tous les femmes, avec le cartel et le fil, ou dans les esravitailles. Il ne faut ni entraîner, et ni calauder, au métier d'arriver même. Et les blancs boudins, où n'y est sans stade, à tout le visage crité. Les marchandises, tous les femmes sont courantes à trotter, elles n'ont plus le temps de faire Athénée. Quand il est 12 à mi ou 5, à soupir vos condamnés, avec le garlot, le seigneur, le pauvre, les femmes servent au galop. Bonjour tous les gens, super ce job. Va bien au ravitaillement, parce que si de me despêche mieux, t'arriverai dans le dernier. Si dans vos malheurs d'arriver à temps, il me pourra revenir sans bien et sans l'or, il a tout des masses de gens au ravitaillement. Vraiment, on ne sait plus qu'à être battu. Maintenant le fer, quand être famille, à l'goût de les doigts de se présenter, tout le djoubou dans les djunés. Et le djobo, rite comme de seau, envie tout le fer pourri. Mais ravie c'est beau, reste là l'ovo, au dino et petit dougno. Bonjour tout le djeb, super ce djob, et me va bien rond pour la vie, parce que si ne me despêche mieux, d'arriver dans le dernier. Si dans vos malheurs d'arriver à temps, il pourra revenir sans miel et sans l'or, il a tout des masses de gens pour la vie. Sur quel mène de la contre et n'a poyeux du ravitaille. En ce maison, il est va mieux quelqu'un. Il a soin de servir premier. Si vous l'arrêtez, il est tout jeune. Il vous dit, faut que je m'en aille. Faites-ne attention, l'alimentation, ça donne de l'occupation. Arvoir tout le diable, c'est que c'est comme elle me va bien rond pour la vitaille. J'ai des comptes à vérifier. Prémesseuse des sales messieurs, elle y m'a mis dit, elle est réussie.
camène pour un contre inacquoyeux du ravitaille. À ce maison, il est pas bien que Dieu, il a soin de servir plus mieux. Si vous l'arrêtez, il est tout jeune, il vous dit, faut que je m'en aille. Faites attention, l'alimentation, ça donne de l'occupation. À voir tous les jeunes sur le septième, elle m'a papierant pour la vie time. J'ai des comptes à vérifier. Prémesse spéciale, monsieur. Elle y m'a mis vite, elle m'a réussi. Des belles provisions de l'oreille gris. J'ai bien fait traiter la par-ci, ayez dit ce qu'on donne au ravitaille ce semaine qui vieux. Non, mais Marie, absolument, n'y est dans vous. Hein, François? Oui? Si quelquefois, au rue Côte de Beauple, ah ben, faites d'esquerre, elle la peigne plus mieux, et elle cuise deuxième. Oh là, qu'est-ce qu'il a voulu dire avec ça? Oh, n'est rien qui vous intéresse. D'un fréquent du mot à un morin de là où il est rentré. Là, tout ce qu'on gagne, tenez, a fait plaisir au premier venu. Mais vous n'avez qu'à surveiller, vous, au lieu de demander sur le port. Hé, hey, Marie, j'ai dessus une ouate pour vous la peigne. Qu'on me laisse tranquille. Voilà. Ah, que ça a raison, parlons d'autre chose. Un sucre à la confine, on fait la rame tartine de miel. Que c'est Tartine de miel? Ah, ben, du grippin? Ah, et des nés de mariage? Si dans son lit sous-là, j'ai une marronnée de range. Oh là, il a du louche à le. C'est lui qui a un plus fin. Et tout maintenant, il fait le glou. Ni un tartine de manière. Je me dis, non, ça veut. Sera autant de spagnes, tu me rations. Oui. Et ta ration, tu épargneras. Ça fait, ça le dit qu'on m'en met du rationnement. De farine, tu recevras 260 grammes seulement. Deux. Du beurre, on t'en donnera à tout le plus 3 fois l'an. 3. Sains d'eau et sucre, tu auras très peu et très rarement. 4. De patates, on te servira 20 kilos annuellement. 5. Dimanche, chère ne mangera, et les autres jours, mêmement. 6. 4 temps, vigile, jeûnera, et l'année entièrement. 7. Des chounavés, tu mangeras de force ou de consentement. 8. Du saum, tu t'assimileras, et du tourteau, pareillement. 9. Ton estomac détraquera, tes intestins, pareillement. 10. Ta ration, tu épargneras, pour qu'elle vive longuement. On a raison, dit qu'on s'adbattra tout le temps. En même temps, Marie, Seigneur Gautot, et la colle dit comment met du sucre un bon ravitaille. Ah. Dit comment met du sucre qu'elle va au ravitaille. Primo, tout matin, tu te lèveras pour aller au ravitaillement. Deuxièmement, de monnaie, tu te munuras par crainte de désagréments. Tertio, tes cartes, tu emporteras et de multiples récipients. Quattro, souvent la queue tu feras et t'embêteras longuement. Cinquio, point tu ne te faufileras avant ton tour subrestissement. Sixio, tes voisins, tu bousculeras et ils feront pareillement. Septio, souvent tu disputeras et te battras conséquemment. Huitio,
ration d'autrui tu ne prendras ni retiendras injustement. Nevio, point tu ne vérifieras si l'on te sert correctement. Dio, l'employé tu remercieras si t'en guirlante vertement. Morale, tout au possible, tu feras pour entrer au ravitaillement. Par ce moyen, tu grossiras et te porteras parfaitement. Avec les champettes devant la maison? Oui, mon frère, nous sommes si bien, mais pas plus de ce qu'il y a dans le corps, pour m'y mettre l'ordre. Oui, c'est ça. Un devoir avant tout à nos idoles. Premier pour de ce mais dernier pour monter. C'est tout de même dommage, hein? Une si belle piète, hein? Vous n'avez dit rien, donc? Pour une bonne raison. Ils ont frotté que c'est mille causes que le camp l'a pris, hein? Un cas? Oui. Mais quand on a mis fait pareil de ça, ça? C'est qu'il en a plusieurs, Tignes, qu'à te semier. Pour un alors? C'est tous les gens à poterie du coro, oui, dans la poterie. Attendez, mais tu vas le faire, je suis libre de tout. Allez, ours! Attends, je vais faire le reste de tout. Oh, ben, ferme du temps, voyons, je te rends qui fait de miner, y'a de toi. Ah! Une idée, sois vous en rentré. Ah oui, allez, rentre, mes enfants. Vous allez ma carrière au morceau. Acceptez, chers époux, avec quelques fleurettes, l'hommage simple et doux que mon cœur de fillette a préparé pour vous. Odile, soyez-elle sauf, mes voeux exorts de la misère, soyez toujours heureux, et que l'horrible guerre vous épargne tous deux. On dit que ce beau jour vous unit pour la vie, qu'aux ailes de l'amour, la chaîne qui vous lie soit légère toujours. Ensemble, désormais, vous passerez sur terre. Je forme le souhait qu'au mariage de guerre règne toujours la paix. Et maintenant, qu'est-ce qui se compte de cochon? Personne? Pourtant, à l'école, on vous a fait de belles cochons, mais... Merci, merci. Assistez-vous aussi. Oh, ben, allez. Merci.
Ale, 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 ma pourquoi cela m'a été? Me sors au courrier, on va aller en avant de la musique, comme du temps passé, hein? Quand la musique devant le village fait une sortie, un grand monot de cuit se fut bien partout bleu. Le gabon, le gabon, ta queue, t'as pas poutri. Et tout en avant, il tenait de la peau, un bon se cache. Dans la femme près la bouche de scopin, ce qui du haut couteau l'ayant parti à là, ce qui cache au strut, abandonne le bruit, la musique à la main. J'ai pas mal passé un appel si t'arrêté. Il faut les chers cousins, Milet, le musicien. Et avoir un pompette avant continuer. Le piton, le tubal, le troupeau, le trompette. Sauve dans l'un et l'autre, tout Dieu les passa. En vrai, pas de gueule. Au mot d'ailleurs, vous l'êtes. Le Dieu qui soigne ce grand. Bon.
tenue honteux, la tenue, de place de la tenue. Non, non, merci, Marie. La tenue d'agrément, hein? Demandez du brut manier aux Allemands et jouer en guerre. Dans le plein terrain dur, Rosine, volée. Ah oui, Ferdinand, c'est bien. Ah, voilà deux d'Ultérion dans le tir. T'es plus mort que de péris, ça veut. Jusqu'au mètre fumant le fermier d'un haut, là, il est escapnel. Qu'est-ce que t'es fait rien et qu'elle va se planter dans le bodoulite. Mais ça pas de vous. Ben, mais vous arrêtez là et vous fermiez tout gris. Vous allez de l'espargner quand l'eau, vite. Oh. C'est tout ce que vous trouvez à dire, mais vous me busiez comme n'espantre. Oui. Ah ben c'est Mickey, toi. Tiens, ben vous n'avez qu'à faire comme un zoo, de ce qu'il y a dans le corps, il fallait y passer une nuit. Bon, bon, à cette cause de l'eau, il se dénait à ce oiseau. À la vie, par là, si le corps n'aille pas, je le tâte. Justement, Marie, si Loïs n'a rogné le casserole dans la peinture un an, il n'a personne qui a le chopé dedans. Non, 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 c'est pas sûr, ça. Comment on me compte aussi sur le même sujet. Bon, ben, qu'est-ce que vous le mentez, bel bien, mon Dieu, ça revoir. Ah, oui. Ah, c'est du cas que vous voulez parler. Ah, mais c'est de la peine. Oh, pour une belle biette, c'est une belle biette, oui. Hein. Oui. Surtout avant une regigote. Hein? Comment? Un cas, il a une regigote. Oui. Même qu'on voit qu'on le plage, qu'il a bluffé dessus. J'ai bluffé, mais... Ça y est, ça y est. Oh, ça y est. Oh, il a vendu. Il a te pris un flagrant délit, hein? Ben, mis de les prix flagrant dans le casserole, ouais. Ah ben, ça me met ton nez, puis n'a plus des liens de mourir avec un cas pareil, hein? Oui, mais Marie, c'est quatre forces majeures, non, hein? Non, non, des purantes et quatre légitimes de fin. Oui, oui. Vous me l'airez de les mots chaudiards. M'entremis de Mastoc, m'a du lapin. C'est plus fort que moi. Me croyez-moi, hein? Reste bien puni, hein? Ah, pour que? Il me rabaille. Oh, pardon. Oh, pardon, hein? Mais le coup qui vient, ça l'air à plus près, hein? Au premier baptême, on traîne le queue sur le casserole. Ah, oui. Voilà. Ah, François. Oui? De ce tour passé pour vous dire que on donne un demi-pied de vinaigre. Oui. Et un livre de févrole par famille, c'est moi qui vient. Ah, ben, on va sous l'ombre en louer plus. Bon, hein, pardonnez attention, mais une mère va vivre comme maison, quelle fois qu'il a roté de gants. Attendez, n'a pas mis du café. C'est un deux fausses, il y a mille d'avoir versé de petites gouttes. C'est une bouteille que des biches pour aujourd'hui. Elle m'aurait faux, ça l'est. Non, François, c'est comme si de là vos buts, elle vous en suit. Au revoir, hein, camarade. Il me comprenne, le marou, hein. Miaou! Hein, Paul? Oui, qu'est-ce qu'il a comme vieux? Vous me donnerez pour l'adresse du Saint-Cyr qui vous a vendu de peut-être. Ma bouquet. Parce que nous avons décidé, Rosine et Yami, d'aller dans les flottes. Ce sera nos voyages de noces. Voilà. Ben, un fameux voyage de noces. Oh, Dieu, mamie, ça ne me déplaigne, hein? Ah, il prête de cousin du bout, coste le peu, l'os, hein? Ah, il a bien raison, il s'en joue. Est-ce qu'il a ce temps-là, Marie? C'est comme si c'était hier, hein? Inutile, on m'ajoute aussi sur le pouce. Ah. Elle m'a fait la scopette de réaline, ainsi on a pris un jet avant de marier. Vous, avec qu'elle t'a fait là. Bon, hey, ami, elle m'a empressé le goût, hein. Bon. Oui, mais il faut faire attention, hein, papa. Oui. Vous savez bien qu'on a co-perquisitionné hier au cabaret du coin. Bon, hein? Souris dans ton vœu. On a tout dit qu'elle avait par là. Ah, oui, non, non. Faites-nous. Amenez-le qu'elle m'a mis, hein. Amenez-le qu'elle m'a mis là. Aïe, aïe, nous avons tout été à l'ordre. Hein? Elle mouche, il porte ta bec, hein? Elle tente plus me zanquer, fier à pied. Je ne comprends ça. Des boutons mis et carton bicarbonate en dessous. Ah, mais j'aime ça le fait, elle m'en fait le morceau. Ah, mais les peines sont faites. Ah, la voilà, belle-mère. Oh, va mesurer le morceau. À longueur d'un crawl d'un bastion bouchard. Oh, la belle-mère. On n'a qu'à peser le morceau. Qu'on tire ça plus qu'un. Voilà. Ah, non, 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 non. Ah, ce coup de vieux. Elle chine que Polly, oui.
avec ma plainte petite. Ah, 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 ben d'abord, Samy. Samy. Eh ben, t'aurais bien voulu vivre pire, hein? Ben, ça me fait penser un cochon de la riguette. À table, on pèse tout le mochon de la riguette. On se bat trop bien pour les cochons de la riguette, de la rigole. Ah, tiens, la bonne, pardon, petit cochon, t'as tout un champ pendant qu'on verse le goût. Dingue, Marie, dans le cruchon. Allez. Bon, dès que Marie est un bien pris, j'aime bon, tra-la-la-la. Masso, Johnny Guetta, Marie Cotte Fossimo, Johnny Guetta, Johnny Go. Mon paillet vient de ce corot, c'est boum, tra-la-la-la. Mon bande est autorisation, c'est boum, tra-la-la. Mon Johnny Guetta. Ma Johnny Guetta, aujourd'hui, c'est un bien grand jour de fête pour votre mon oncle Gus. J'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir en le lui disant à votre santé et à votre postérité. Ce beau jour de fête me rappelle quand ce que j'ai épousé votre ma tante Yoni, ma femme, dont à laquelle je suis veuf, il a dessous là une cinquante années que ça fut. Je vis de mon verre. Je vis de mon verre
en espérant que Dieu spère bien que vous accâtrez une fournicherie d'enfants en bas âge, dont auquel je serai toujours prête à mettre ma regagote pour aller au baptême. Je vais m'en vais. Il faut que je demande si ce discours du commun humain ne se trouve en goutte de vin. J'espère que la guerre sera bientôt terminée et que nous pourrons alors nous réjouir tel tout en jambes. Je vide mon verre en prononçant cette parole. Vive le mariage! Vive la Belgique! Vive la Belgique! Vive la Belgique! L'Allemagne sera capote. Les Allemands en riront avec leurs tiède bas sous leurs bras. Ça, c'est vrai. Et ils ne s'arrêtent pas vendu devant la forteresse des Alliés, ni devant le Poutulpin. Non. Quand t'as l'intenu, hein. Alors, Allemands. En Valcazé. Et le roi plus. En Valcroprise. Et les gros femmes. Je vais mourir. Il lui tombe. Carte d'identité. Elles sont parties. Les hésites. Mon Rosine. Mon. Manon la chope. Mon Rosine, maintenant, il vient vous arrêter comme il est là. Qu'est-ce que vous demandez, non? Nous sommes de bras bien. Et nous devons y aller qu'à faire ça. N'est-ce compris? Parlez français, madame. Ah, il comprend le boring. On y parle un fromage. Warum, crompir. Comprends-tu? Il a compris. Mais que voulez-vous? Mais que cherchez-vous? Je cherche le fer, la farine, le fer, le cuir et le savon. Les caoutchoucs et les cotons. Je cherche le blanc et la ficelle, les tabacs et les vieux papiers, les pots et la pelle et bouteilles pour l'empereur. Je suis chiffonnier. Je suis venu pour une perquisition. Et si je trouve du fin dans la maison, des matelas ou bien des vieux bouchons, 3000 vacs d'amende et 200 de prison. Hein, puisqu'il comprend le bourré, il a mis d'un barant de lui dire. Tu peux tout tourner dans le commu, dans les enfants payants guerriers. De ceux d'attraper pas me tuer, il a l'eau main toute muche. Le matelas au pas du monde, un contre aux juifs stateureux, un tout paquet d'acaminé, et un veilleur pas sous le plancher. N'est-ce compris? Il le simule pour faire perquisition. Si toi tu fais mûche de belle maison, de matelas plein ou peu de vieux bouchons, toi, il m'a quand les deux en prison. Silence! Venez-y. Vous avez quitté Arbenz en permission. Vous êtes équivalente. 3000 marques d'amende. Civil. Arbenz bataillon demain matin. Mitre de sac. Package. Non. Alors, de manière à faire pareil, il a quitté sur le blanc, c'est parce qu'il s'est marié, je comprends de... J'ai dit, idiot! Vous avez été chercher cartoffes dans les flottes. Mais cartoffes, c'est nul. 3000 marques d'amende. Vont être confisqués. Portez tout de suite, fait le gendarmerie. Bon flip. Il a eu ton mot pour aller le saquer, hein? Oui. Hein? J'ai dit pas parler! Régulez tous contre les murs! Coiffez monter sur le geste
et pour préparer contre le grand Allemagne. Et 3000 marques d'amende, 200 de prison, couché par terre, le demi-ration pain caca. Justement, pour Frégus, qu'on a fait un petit pas corde, hein? Bon, venez ici. Venez ici! Vous avez caché matelas, veine, cuivre, toubac. Non. Vous pensez, moi, pas savoir parler borène? À fond la guerre, venir travailler porinage. 3000 marques d'amende. Ce soir, venir camion. Tous couvetés, marchandises. Adelaide, bien vu en fait, qui conditionne le porin. Vous aussi, madame. 3000 marques d'amende. Mais, madame, il n'y a rien fait. Vous n'avez pas fermé les lumières dehors. Patente! Y'a patente! Oh, mais où vient ce bain d'allumer, ça va, monsieur? Mais s'il faut se fumer, elle-même va tout de suite, ça va! Contact! Venez ici! Donnez-moi votre carte d'identité! Oh, encore une gâtelée, hein! Attendez, monsieur! Voilà, monsieur! 3000 marques à aussi, hein, madame? Oui, pour qui? Vous êtes marié contre ce monsieur? Oui, monsieur. Mais vous avez une carte d'identité pour une frôlaine. Ah oui, mais elle va dans l'autre note, admin, à la commune, ça veut, oui. Trop tard. 3000 marques d'amende. Mais ça condamne tout. Il n'a pas piqué ce cap, hein. Être collègue, on se comprend, camarade. Polizai. Ici. Venez ici! Et en position quand vous parlez autorité allemande. Vite! Vous avez reçu l'aide d'un soldat. Et c'est lui qui l'a apporté. Nous. Vous serez fusillé! Ben, nous sommes d'annonceurs, il n'y a pas si votre main, hein? Ça, c'est une lettre à l'olive, ça. Ma Marie! Ma servante, vous n'êtes que ton collègue prussien, là! Je ne suis pas champêtre. Faudrait-nous à toute la famille. Ah, mais mesdames, c'est une belle famille, êtes-tu cuisinier? J'aviseux! Qu'est-ce que c'est? T'as du 4. Oh. Ah non, fais, c'est de la peine. Vous voulez bien qu'il y a un jacquard, hein? Hey! On suffit ici d'abord. Ah ben, nous vous la prie, un feu de feu, hein. Un éclat de feu, c'est un con. Silence. Silence, toi, tout ça. Mais qu'est-ce qui tombe, là, ici? Mais c'est Champette qui claque dedans. Mettez-vous à ce côté, là. Il passe out. Salut. Un peu heureusement, parce que... C'est un qu'on fait plier, hein? Ouais, bah, il y a l'eau. Hein? L'eau. Bon, c'est venu à chaud, parce qu'il y a l'eau. Ah, ben, hyperquisition, Marcelio. Oh, Dieu Seigneur, si, qu'est-ce que tu bats quand tu capoues? Ah, oui. Mais c'est sûr qu'il est dans le plus long. T'es bien ce mot, prison. Oh, tiens, salut. Si le gendarme allemand me voit, là, c'est des espèces que t'es ramassé sur le champ de bataille à 14. Ah. Mais tu le mériteras pas, ce mon beau-père. Il n'a ni beau plan vers ce il n'est pas bon pour faire marvoyer le gendarme. Voilà. Tu bon, ça n'a rien permis à faire payer par les mauvais sang, le gendarme. Bon, mauvais sang, mauvais sang. Il faut être plus ferme que ça, là. C'est ça que je veux dire. D'ailleurs, il peut.
peu. Alors, sinon, des frères. Il te rend aussi bien à l'eau qu'elle. Bravo. Ah, vous êtes en train de c'est pour vous autres. Ah, dites bien, qu'est-ce qui vous a si bien, la Seigneur? Ben, c'est vous autres. Nous autres? Ben, sûr, est allé pas dans le bombardement, encore. On a parlé du voyage de Flip. Des mouchettes qu'il avait dans la maison. De l'aide qu'on avait reçue. Donc, il m'a venu une petite idée. Elle va y jouer un petit tour pour faire une risée. Ouais, vous nous mettez sur la risée, vous. Vous pouvez vous en rire, ça veut. Si vous avez vu le champêtre. Ah, ben, vous en rirez plus tard, François. Ouais. Un irbusien, vous verrez. Ah, ben, à tout le cas, vous. Vous avez une belle manière pour faire le gendarme allemand, ça veut. Et je voudrais demander pour être policier à Berlin quand j'allais trop l'envol. Oh, la belle main. Si il faut échapper ta baleine, il me recommande. Non. Vous devez me faire danser comme bastou. Si c'est mis, hein, elle me ravitaille à haut d'un tiers sans savon. Elle se fait monter à pas de camiche pour donner à qu'un agneau. Chacun y a ce tour. En attendant d'aller dompter le plus signe, c'est quoi eux qui sont venus par ci. Non, à propos, Flip, t'es deux, là-t-il. C'est un ennemi. C'est un ennemi. D'abord, il attend d'en aller, hein. En 8 heures, il ne peut plus en faire son train, là. Vous me donnez, vous faites du mauvais sang pour la retraite, François. Champette, fais bête avec nous. D'ailleurs, mais, adresse pas tout, hein. C'est une arithérie. Ah, François, allez, mais il te veut bien. Mais on bagnera aller sans souper, tout le monde. Ça, c'est une chance à ta guerre, de faire beau dîner. Et une fois que toi belle, j'en ai mieux de bousser. Oh, et Coco s'amuse, il faut en profiter. De pétot de subuse, mine va tout la paix. Admet, on arrivera, quand le soleil s'amoustera. Quittons, n'y a si belle fiette, n'y a dans. Je vous la traite, nous avons six champêtres, d'arrière du flanc, envers allemands. Un tsan en méfile monte, un nez, y'a mal, je me compte. Pardon, et petit à compte, sans passe rapide, un tsar au nœud dormi. Oh, est-ce que tu es d'accord, Flip, de mettre cuir de toi un peu tôt pour vos camarades, Gus? Oh, rien de tout qu'il a vos agas, le franc. Bon, on lui fera de mallette pour lui râler, quelquefois qu'il a l'autre peu près sa route. Oh, bien, ce que tu n'as rien de ça, d'entendre la tête d'en haut du nez, puis ça le prend. Rien de tout ça, tout le monde se grave et le temps de respect en plus. Oui, c'est ça, justement, ça. Papa a raison, hein? Mais il commence à au centre maintenant, hein? Il y a Fernand tout d'ailleurs, hein? Oui, Fernand, que vous avez ça. Mais somme, et je lève des noms qu'à somme, lui! Léo, le John Marie, dans le lieu couché. Oui. Il y a une mignon matin. Oui. Nous verrons vite qui ce qui sera le vol premier dans la douleur. Pougneux, à voix d'abrouille. Il est temps d'en râler. À 8 heures, elle patrouille, va qu'on sur ma passée. Après une journée pareille, mais toi que tout le monde est grand. De se mettre sous bonne oreille, peut-être parce qu'il est grand temps. Et pour le John Marie, il faut le tranquillité. Séparés, vive le mariage! Vive le mariage! Vive le mariage!